shake it up. Be cruel, work it out. Do you? Do you, on recommence encore un peu. Hein? Bon, on s'installe. Bon, j'espère que vous allez bien. La 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 la. Ouh. Oui, show me. Tu vois? Elle est quand même bien cette musique. On se dit floure. Check it out. Do you? Oh my god. À le taille. Oui, ça va. Et toi, comment ça va? On attend la musique. La 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 la. Yeah. Do you? Bon, allez, je m'arrête. Je suis fatigué, là. Je suis crevé. Bon, vous allez bien? Bon, on y va avec Patou. Hein. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on fasse des choses en plus hier. Alors, voilà, installez-vous. Prenez votre café, votre petit thé. Moi, j'ai mon café. Tout est prêt. La cigarette n'est pas faite, mais bon, c'est pas grave. On va la faire après. Et puis, voilà, quoi. Oui, désolé, Topper. Je crois que je m'étais gouré dans les fonctions. Vous étiez que salarié. Bah oui, c'est... Voilà, c'est comme ça. Bien, alors, on va chercher un vélo. Il me sert à rien ce bâtiment, en fait. Enfin, juste pour faire mes planques, mais... C'est fermé, là? Un moustique? Pas maintenant, le moustique. Ah non, c'est pas un moustique. Non, c'est une araignée. Hein?
Mon Dieu. Bon. Un petit vélo. Un petit vélo. Ah, mais il fait beau aujourd'hui. C'est l'été. Oh non, parle pas de moustiques. Pourquoi? Pourquoi t'as des moustiques? Non, non, je crois que c'était une araignée. Bien. Une blinde. Ah merde. Ben, enlève la fosse qui est à côté de chez toi. Ah, si t'as des cyprès, c'est à cause de ça. Coupe tous les cyprès. Alors, un petit vélo. Tac. Faut que j'appelle monsieur... Patriac. Hop, c'est parti. C'est bien calme, là. Oula. Y'a pas de voiture ? Les citoyens sont morts ? Y'a personne ? C'est glauque ? Ah, je meurs. Je peux être libre sur la route. Mais... Y'a plus un chat. C'est quoi ce délire ? Mon Dieu. Suis-je bien dans le bon monde ? Dans le bon monde ? Si je changeais de tenue ? Ah non, je veux pas les indications. Oh là là. Oh là là. Non. Voilà. Attends, on va changer de tenue maintenant. Hein. On a un peu de thunes. Bravo, j'arrive. Tu veux te suicider ? Mais désolé, mon tépuniche. C'est que. Y a personne. Je crois que à Grapside, c'est fini. Tout le monde est mort. Ceci dit, je suis chez moi, là, ici. Tranquille. Biloute. Je suis pas du Nord, mais c'est pas grave. Je peux dormir. Ah, impeccable. Oh, c'est chaud, ça. On est bien, là. L'asphalte. Ah, on est bien, là. L'asphalte, elle est bien, là. Oh, oui, 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 c'est pas mal. Enlevons le torse. Le pantalon. Voilà. Regarde donc. Impeccable. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Tranquille et détendu. C'est ça. Je peux me détendre de cette manière. Hop. Ah, c'est encore mieux. Oh, que c'est chaud. Oh. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, là. Mais il n'y a pas de Benji. Y a personne. Tout le monde est... Je suis sur le bon truc. Faut le dire avec l'accent marseillais. Ça fait encore plus d'effet. Ah. Alors, oui. Mais alors, un accent marseillais. Alors, attends. Manger du ping. Ah, je suis bien détendu. Ah, je me sens bien. Je suis bien là. Je sais pas, mais c'est un mélange de beaucoup de choses. Bon, je vais pas rester en culotte. Oui, excusez-moi, je bonjour, madame. Voilà. Tranquille et détendu. Oui, peu cher. Oh, peu cher. Oh, peu cher. Alors, achetons des fringues. Un truc encore dégueulasse qu'il faut mettre, quoi. Qu'est-ce que... Ah, comme ça. Ah ouais. Comme ça. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Qu'est-ce que... Mais non, c'est pas la couleur que je veux, c'est le t-shirt. Voilà. Un nœud papillon. Non. Attends. Attends. Merde, c'est la couleur qu'il faut changer. Mais non, c'est les accessoires, j'en veux pas, moi. Alors, attends. Un col roulé et nœud papillon, c'est pas mal. C'est laid, c'est moche, c'est impeccable. Mais on pourrait mettre comme ça. C'est raccord. Le pantalon. Oh, 110 balles. En carte.
Alors, tenue motard. Et maintenant, c'est un striptease. Ben oui, ben j'ai plus rien. Moi aussi, j'ai du mal. Faudrait une boutique de 8e Dieu, 8 mains, au moins. J'ai pas compris. Hein? Je comprends pas. Ne pape blanc. Ah! Ah oui, pas con. Attends. Ne pape, c'est où? C'est collier? Blanc. Blanc. Impeccable. Gratos. Ah bah, ça va, si c'est gratos. Profitons-en. Le pantalon. Alors, le pantalon. Le pantalon. Et si on se mettait un petit fond de musique, genre pas trop. Voilà, comme ça, en attendant. Le pantalon. Voilà. Je vais faire jeans. Hop. Un truc qui est pas du tout raccord. Ah, ben voilà. Impeccable. 45 balles quand même, hein. Impeccable. Eh. Les shoes maintenant. Oui, 2 secondes. Main, c'est pas assez. Alors. Oula. Alors, attends. Des petites baskets. Ouais, ça, impeccable. Changer de couleur. Il faut une couleur qui est pas du tout raccord. Voilà. Un beau orange. On est bien. On est très tendance. Je vais lancer la mode. Ouais, je trouve un truc. Je sais pas si on peut faire de la mode. Ce serait plus stylé, en fait. Oula, ça fait un gros pétard, là. Perfecto, oui, impeccable. Ça va bouger. C'est tout? Aïe! Je pensais pas qu'il allait me brûler dessus. Je pensais que... Ah, ben non, mais ah, je me suis fait... Ah, le camp. Ah, non, non, attends, on va s'asseoir. Merde, merde, j'ai plus les sites, les touches enregistrées, toi, faut que je fasse. Site. Ah, non, comment t'as mal? Merde. Ah, ben non, faut appeler un médecin, là. Voilà, j'ai mal. Mais quel con. C'est l'unique voiture. Bah oui, il y a plein de sang. Je vais appeler les pompiers, les secours, la pseu. Alors, bah par contre, qui me gare pas. Hein. Ah, oh non, pas Vili-Lilim. Il m'en veut, Vili-Lilim. On va appeler la PCS. La PCS, Bobo. Au pied. Voilà. Et voilà, de retour à l'abs. Mais non, mais j'y peux rien. C'est pas voulu, mercredi. Voilà, je voulais pas faire ça. Merde, téléphone. Allô? De la PSS. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, j'ai volé, comment dire, bronzé sur la route. Il y a un gros con qui m'a roulé sur le pied. Ah, d'accord. Oui. J'ai mal. Vous êtes où, dites-moi. À Grappicidi. D'accord. À côté de la boutique de vêtements, j'étais en train de m'habiller. Oh, j'ai mal. J'étais en train de m'habiller. Parce que je veux lancer une mode de vêtements, alors voilà, je me lance dans des affaires intéressantes, mais il y a un gros con qui m'a roulé dessus, sur le pied. Mmh, ouais, très bien, je comprends. Bah écoutez, bougez pas, restez où vous êtes, restez assis, et puis on arrive. Ah oui. Vous arrivez, c'est-à-dire vous êtes plusieurs? Je suis avec mon collègue, oui. Ah oui, d'accord. Vous voulez que je vienne tout seul, peut-être? Ah non, je vous en prie, allez-y. Très bien. Oui. Bon bah écoutez, on se dépêche, on arrive. Oui, j'écoute. À tout de suite. Oui.
Bon. Il m'a pas dit qui. Qui c'est, par contre. Est-ce que c'est Monsieur Vidi de l'Étime? Alors, attendez, parce que là, moi, je voudrais me mettre quand même une... copier, coller... pas tout... deux... Il faut que je chope la musique... En attendant, on va... parce que je voulais mettre celle-là... Mais je vais vous dire pourquoi. Enfin, si j'y arrive. Stockage... pas tout... Celle-ci. Voilà. Vous me dites si c'est trop fort. Normalement, ça devrait le faire. Eh oui, on va la mettre un peu moins fort. Hein? On la met à ce niveau-là? On est bien là? Comme ça? Oui, on est bien. Je vais me faire une clap en attendant. Une petite... Bon, installez-vous, nous allons passer une petite... petit quart d'heure chez la pse. Non, la pse. La pse. La... Non, la pse. Merde, le truc, quoi. Oui, je revois des PNJ sans voiture. Enfin, des voitures sans PNJ. À tes souhaits, oui. Pse. Oh là là, j'espère que ça va pas durer longtemps par contre, hein, parce que moi, il faut que j'appelle Monsieur Périac. Patriac. Il m'a dit 21h15 qu'il fallait que je l'appelle. Non, c'était pas ça hier. Ah, il est 22h32. Je suis un peu en retard. Ah oui. On a le temps de m'ouvrir 10 fois. Bon, j'espère qu'ils verront pas le son. Autrement, ils vont dire, mais il y a beaucoup de son, monsieur. Ça fait comme chez Disney, les voitures sans pilote. Oui, c'est ça. On va mettre la musique... c'est quoi la musique, déjà? Allô? Je vous téléphone un peu à l'avance, monsieur Patriac. Oui, c'est ça. On va faire ça. Mais vous êtes pas sur le serve, les gars? Vous êtes pas en train de bosser ou de papoter? Qu'est-ce que ce bordel, là? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais... Non, on va revenir après. Ah, ok. Pas pour moi. Cœur. Wesh, gros. Wesh! Tranquille! C'est bizarre, j'ai des visions d'horreur d'un coup, je sais pas pourquoi. On a déjà exploré, on a trouvé nos récoltes. Oui. Ouais, pour le moment. Ouais. Enfin, Grappicidi, c'est pas si loin que ça, quand même, de Sandisher. Oula. J'ai des visions d'horreur d'un coup. C'est Tikin que le. Mais comme on sait pas exactement ce qu'on a. Ah bon? Bon, je vais arrêter de regarder la route. Ça me donne des douleurs visuelles. J'ose même plus regarder. Mais comme on sait pas exactement ce qu'on a, mais vous savez pas quoi? C'est-à-dire... Vous avez des poires, des pommes, des...
Et pas des bananes en tout cas. Ce serait bien, Marc. Pomme par orange. Oula, mais il a failli m'écraser. Alors bon. Voyons voir. Oh. Je regarde juste c'est quoi notre appel. C'est qui? Qu'est-ce qu'il a, lui, le monsieur, là? Un schtroumpf? Qu'est-ce qu'il fout, là, le schtroumpf? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Enfin, bonjour. Ah, c'est vous qui vous êtes fait rouler sur la patte? Oui, sur le pied. D'accord. Vous pouvez retirer vos chaussures? Oui, elles sont toutes neuves. Ah, très belle paire de baskets. Oui, c'est très tendance. Oui, oui. Je vous en prie, levez un petit peu le bas de votre pantalon. On regarde bien. Oui. Bon, faut pas trop abîmer le pantalon. Hein. N'allez pas le découper. C'est qui le schtroumpf en bleu, là? Oh, c'est mon collègue. Vous inquiétez pas. Vous êtes pas en schtroumpf, vous non plus? Non. Ah ouais. Alors, dites-moi, quel est le pied qui vous fait mal? Et le pied gauche, le gauche. Oui. D'accord. Ok. Alors. Ok. Quand je vous touche ici, est-ce que vous avez mal? Non, ça va. D'accord, ici? Non plus. D'accord. Et là? Ah, non. D'accord, très bien. Et quand je vous chatouille le pied, là, vous sentez? Non, pas du tout. Vous sentez pas quand je vous touche les pieds, là? Ah, non, du tout. Ok. Et vous pouvez le bouger? Oui, regardez donc. Hop. Un coup à gauche, un coup à droite. Ok. Et quand je vous pince l'ongle, là, avec mon stylo, vous sentez quand j'appuie? Oui, légèrement. Je sais pas ce que vous faites, mais... je suis pas un papier, hein. Vous êtes là pour écrire quelque chose? Aïe! Non. Donc vous sentez, là, quand je vous touche le pied, du coup? Oui, ça va, ben ça sent la chaussure neuve, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est là. Ok. Bon. Alors. Bon, il y a un petit hématome sur le dessus du pied. Oui. Ok. Très bien. J'ai pas pu noter, comment dire, c'est à plaque, j'avais pas de stylo, mais vous pouvez peut-être me donner votre stylo? Pour? Et pour écrire la plaque? Bah, vous n'avez pas la plaque, vous venez de dire. Eh ben oui, mais la prochaine fois. Ah bah vous avez acheté un stylo, monsieur. Ah, vous offrez pas un petit stylo? Ah, vous savez, on va déjà s'occuper de votre pied, et puis après on verra. Je pense que c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il a, le schtroumpf à gauche, à ma gauche, là? Il me regarde bizarrement. Oh, vous en occupez pas, le seul. Ah, ça me fait peur. Vous avez mal autre part J'ai l'impression d'avoir des visions. Mais non, vous inquiétez pas. C'est mon collègue, il est gentil. Ah oui. Vous avez mal autre part? Ah non. Juste, comment dire, au bout du pied, enfin, le dessus peut-être, je sais pas, parce que l'autre abruti m'a roulé dessus. D'accord, vous appelez comment? Monsieur Patou, Péatou. Monsieur Patou, d'accord. Oui, Péatou. Et quand je vous touche Patou, l'autre... Patou, Péatou, oui. L'autre pied, vous avez mal ou pas? Oui, mais c'est pas tout, hein. Pas tout. D'accord. Donc vous avez mal aussi sur l'autre pied? Ah non. D'accord. Okay. Non, il m'a roulé sur un pied. Le pied gauche. Quand je vous touche les hanches, vous avez pas mal? C'est un peu délicat, là, par contre, monsieur. On se connaît pas assez. Non, mais vous inquiétez pas. Je vérifie juste si vous avez pas d'autres symptômes ailleurs. Ah oui. J'ai des symptômes, mais différents. Oui, mais est-ce que vous avez mal aux hanches? Là, je touche ici. Oh, bah, j'ai mal à mon dos, alors vous savez, je marche beaucoup, et puis je marche encore, et puis de temps en temps, je fais du vélo. D'accord, donc vous n'avez pas d'autres symptômes par rapport à ce petit accident? Si, j'ai un symptôme. Dites-moi tout. Je vois quelqu'un en bleu. D'accord, ok. C'est tout à fait normal? Oui. Vous êtes en parfaite santé, monsieur Patou? Oui, toujours. On va vous mettre une petite poche de froid? Ah oui, allez-y. Avec une petite bande? Oui, vous avez un petit verre aussi, un petit verre d'eau? Ah non, je suis désolé, ça, on n'aura pas, monsieur Patou. Ah merde. Pourtant, il y a une boutique pas loin, hein. Vous pouvez y aller voir, hein. Il y en a une là-bas. Mais vous savez, ça, c'est pas notre métier, monsieur Patou. Ah bon? Bah oui. Vous sauvez pas la vie des chats? Non. Ah bon, vous faites quoi d'eau? Bah, ça, justement. Ah, des poches de glace.
Eh oui, ça fait partie de notre de nos missions, monsieur Patou. Ah oui. Eh ben, bon, allez, je vais vous chercher ça. Bougez. Oui. Avec un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Billy Didi Team a refilé la patate chaude. Ouais, c'est ça. C'est... Allez, je vous mets ça. Oui. Oui. Oh, c'est froid, hein. Ouh, c'est trop froid. Bah oui, c'est normal. Mais enlevez-le, c'est trop froid. Mais non, vous inquiétez pas. Laissez-le, ça va vous faire du bien, ça va vous atténuer la douleur. Ah. Vous avez pas un petit verre d'eau? Je commence à avoir très soif. Ouais, moi aussi, mais bon. Écoutez, bougez pas, je vais demander à mon collègue. Ah, je vais pas trop bouger. Vous parlez, je trouve. Vous avez des bouteilles d'eau? Vous pouvez regarder s'il y a des bouteilles d'eau dans le coffre, s'il vous plaît. Vous avez pas de la glace tiède? Un peu moins froid? Non, ça on n'aura pas, monsieur Patou, mais vous allez voir, ça va atténuer la douleur, puis ça va surtout éviter le gonflement de la jambe. Ah oh, oui, je préfère que ce soit autre chose que de se gonfler. Il faut se mettre ça, d'ailleurs, quand on est trop gonflé? Pardon? Quand on est trop gonflé, il faut se mettre un truc comme vous mettez, là? Ça peut aider, effectivement. En fait, le froid stoppe les gonflements, en fait, si vous préférez. Oui, moins, ça les atténue. Et comment dire, il y a des parfums, fraises, vanille, ou sur ces poches de glace, ou pas du tout? Ah non, ça se mange pas, monsieur Patou, c'est uniquement pour le membre. Et puis une fois que c'est... Ah non, j'étais bien d'accord. Faut pas le manger, hein, surtout pas le manger. Ah bon. Ah non, ouais, c'est pas bon. Parce qu'après, vous allez devoir faire un petit tour à la PACS, puis vous allez devoir dormir chez nous 2-3 jours. Donc... Oh non, c'est bon, j'ai assez donné... Parce que sinon, on peut se débrouiller pour vous trouver une petite chambre, hein, si jamais vous en mangez. Non, ça ira. Par contre, il n'y a pas de pépites de chocolat dedans. Ah bah, si vous voulez en manger, essayez, mais vous passerez 2-3 petits jours au sein de la PSS. Oui, je ferai goûter à quelqu'un d'autre avant. On ne sait jamais. Ah bah, sinon, vous savez, je peux vous appeler Monsieur Valentine, si vous voulez. Monsieur Vidim ? Non, ça ira, merci. Eh bien, donc du coup, il ne faut pas manger la poche de glace, Monsieur Pato. Ah oui. Sinon, Monsieur Valentine s'occupera de vous pendant 2-3 jours. Non, je veux pas le voir, des teams. Ok, et bah parfait. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la poche de froid? Manger ou pas manger? Ben, c'est-à-dire que Monsieur Valentine, c'est une poche de glace lui aussi. Ah bah voilà. Ah, une raison de plus pour ne pas en manger. Ah là, je savais pas que Monsieur Valentine était une poche de glace. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, il faudra que je le raconte à tout le monde. Ça, c'est vous qui le dites, ça, monsieur Patou. Ah ben non, c'est vous qui me l'avez dit. Bah non, c'est vous. Ah ben non, vous m'avez dit que c'était monsieur Vidétil qui était une poche de glace. Vous avez encore soif, monsieur Patou? Oui, j'ai encore soif. Ah, disons que vous avez une grosse soif, hein. Oui. Ben, j'aurais bien voulu un petit café, si ça vous dérangeait pas, parce que, comment dire... Avec Monsieur le froid, Patou. C'est trop froid. Monsieur Patou. Oui. Oui, vous avez donné de l'eau. Oui. Ah, vous merci. Pas trop abusé quand même. Monsieur ah, Patou. Bah non, mais je demande au cas où. Oui, bon. Hein. Là, est-ce que ça va mieux déjà, la douleur? Oui, c'est un peu mieux. C'est mieux. Eh ben, oui. Est-ce qu'il vous faut autre chose, Monsieur Patou? Un petit café avec des sucres. Oui, et ben ça, vous irez au Shadow Bar et puis vous leur demanderez un café. D'accord. Je mettrai sur votre note. Oui, bien sûr, monsieur Potter. Ah, d'accord. Vous avez terminé? Le... c'est lui. Comment, monsieur Potter? J'ai traversé la route, hein. Le vélo qui est derrière, il est à vous? Oui, c'est... Enfin, c'est pas à moi, c'est à la ville. Et vous comptez l'utiliser pour repartir, j'imagine? Ben, aller chercher ma voiture. Vous faites attention sur la route? Toujours. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas à vous nous appeler. Oui, je connais le numéro par cœur. Bien, parfait. Bah, écoutez, vous pouvez y aller. Oui. Vous pouvez juste me donner vos papiers d'identité, s'il vous plaît? Ah bon? Pourquoi faire? Oui. Bah, vous voulez les garder? Non, du tout. C'est juste pour savoir à qui on a affaire. Et puis on peut procéder à une facturation. Je confirme son identité, Alex. Ah, okay. C'est Monsieur Vidéditim. Non. Vous êtes sûr? Bah, non. Vous me faites peur, Monsieur Schtroumpf. Est-ce qu'il ressemble à Monsieur Valentine? J'arrive pas à voir grand-chose.
c'est normal puisque c'est pas lui. Ah. Du coup, monsieur Patou, oui. Vous savez que les soins sont facturables. Ah bon? Oh, avec ma petite retraite. J'ai pas grand chose. Bah ouais, je sais bien, monsieur Patou, mais. Alors, je ne jure pas vous déranger encore plus, Alex, mais c'est une intervention entre parents. Oh. Du coup, vous le facturez. Ah, oh, je suis déjà fracturé. Bon, monsieur Patou, allez, levez-vous. Ah, bah attends, j'arrive pas. J'arrive pas à me lever. Bah, venez, je vais vous aider, je vais vous aider. Oh, dada. Un, deux, trois. Aïe, 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 aïe. Voilà. Bien. Du coup. Ah, faut remettre mes chaussures. Attendez, je me rassois. Je vais vous aider. Faut que je mette mes chaussures. Tenez. Je vous mets la facturation dans votre poche. Ah bah oui, bien aimable, oui. Ah ça, pour le faire, vous savez le faire, hein, ça, oui. Ah bah. Comme ça, on vous laissera payer votre facture, monsieur Patou. Oui, 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 oui. Vous pouvez m'aider à me remettre mes chaussures, toutes neuves? Oui, bien sûr. Il n'a pas de thune, mais il oui, a respecté. Oui, monsieur Central, on va tout de suite. Bon, monsieur Patou, je suis désolé, mais on a une urgence. Ah oui? Là, va falloir qu'on vous laisse. Je suis désolé, on a quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, je vous souhaite une bonne journée, monsieur Patou, et puis bon courage. Hein. Ah, merci. Passez une bonne journée. Oui, oui, merci. Au revoir, monsieur Patou. Oui, en parlant merci. De ça, monsieur Patou, vous avez intérêt à payer votre facture du 11. Ah, qui me parle? Je vois des visions. Moi. Payez votre facture du 11 ce soir, ou je vais chez le shérif. Ah, qui me parle? Et mes chaussures? Personne m'aide. Ouais, c'est ça, roulez avec le coffre ouvert. Oui, oui, j'ai pas vu. Pas aimable du tout. Ah. Il m'a facturé combien? $60. J'ai $300 de la PC et $60. Bon, ça va être en droit. J'ai pas de sous. Je vais appeler Monsieur Patriac. Alors, Monsieur Patriac. Patriac. Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, Monsieur Patriac? Oui, c'est ça. Oui, bonjour, c'est Monsieur Patou. Je vous appelle un petit peu en avance. Est-ce que vous avez du temps? Alors actuellement, moi, je suis bloqué sur une situation, mais dès que c'est libre, oui, j'aurai du temps. C'est-à-dire, quelle situation? Vous êtes bloqué? Vous voulez un coup de main? Non, vous inquiétez pas, il y a eu un petit incident, moi je suis pas pris dedans, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis témoin, donc je dois rester sur place en attendant l'arrivée des autorités. Ah oui. J'ai pas tout compris. Ouais, je dois vous rejoindre quelque part? Non, vous inquiétez pas, je vous envoie un message quand je suis à la boutique, on peut se retrouver là-bas directement. Ah oui, très bien. Alors à tout à l'heure, monsieur Patriac. Oui, à tout à l'heure, monsieur Patou. Oui, merci. Au revoir, monsieur Patriac. Pas de souci. Oui, je vous en prie. Au revoir, monsieur Patriac. Oui. Au revoir. Oui, au revoir, monsieur Patriac. Vous raccrochez? Oui, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Bon, petit passage vite fait. Hein? Allez, mode cinéma. Hey, j'ai du style quand même. Hein? Il y a du style quand même là. On va plaire aux gonzesses. Pas du tout agréable, monsieur Billy-Litim.
Mais un coup il y a des voitures, un coup il y a pas de voitures. J'ai pas tout compris. Ah. Et Bouboule, il est pas là? Boubou, t'es rendu où? Boubou? Boubou? T'es dedans? Sors de là! On va faire ça. Sors de là! J'ai besoin de ma voiture, sors! Dépêche-toi! Tu fais ton petit popo? Bon, du coup, je vais me servir, hein. Il est plus là, lui. Alors, du coup... À quel que je prends? Celle-là? Celle-là, elle est cassée, je crois. De toute façon, toutes les voitures sont cassées, mais bon... Bon, bon, c'est là. Je vais voir Monsieur Barbeau, voir ce qu'il peut faire sur cette voiture. Allons-y. Gamin. En douceur. Oula, par contre, je vois pas avec la caméra. Ça, c'est de la vieille bagnole. On dirait, tu sais, les Mercos. Oh, mon Dieu, par contre, elle va vite. Ouh, ça roule. Oups, oups. Heureusement que j'ai mis la ceinture. T'as la roue qui tourne encore. Aïe. Bon, je vais appeler quelqu'un. Oh merde, j'ai appelé M. Barbeau. Alors, Garagiste Barbeau. Garagiste Barbeau. On est un petit peu... On est un petit peu à l'envers. Ah, il répond pas. Alors attends, je vais laisser un message comme ça. Garage. Je suis à l'envers. Ah. L'envers. Non, comment on écrit? Non, je vais mettre je ne suis pas à l'endroit. Je ne suis pas là. J'ai même pu écrire. À l'endroit. Oh attends, j'ai un problème là. Bon, je suis pas dans le bon sens. Oh, oh là, j'ai un bug total. Bon, ben on va attendre du coup. On va se mettre. On est un peu dans la. Oui, l'endroit, mais oui, mais merci. Valentine va être content de te revoir. Bah non, on va pas appeler les médecins, on est coincé dans la voiture, c'est tout. Ça va, les voitures passent à côté. Y a-t-il un garage? Tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde passe devant, mais personne s'arrête, hein. Allez, avec les morceaux de barrière, oui. On peut se mettre en mode cinéma, regardez. On se met en mode tranquille et on admire le paysage à l'envers. Ah, quelqu'un s'arrête. Bon, revenons. La sortie du véhicule, ça, ce sera mieux quand même.
Oui ? Je suis coincé. Ah. La ceinture est bloquée. Moi, oui, c'est moi. D'accord. Oui. Vous inquiétez pas, il y a une collègue qui va arriver. Alors, je m'inquiète pas beaucoup, je suis à l'envers. Je vois tout à l'envers. Vous voulez que je vous aide à sortir, peut-être ? Mais, c'est-à-dire que la ceinture est bloquée. Comment qu'on fait ? Ah. Je vais essayer de la décoincer par la fenêtre. Attention, vous allez vous faire écraser. Parce que j'arrive à encore à voir à l'envers. Oula. Effectivement, c'était chaud. Vous êtes du bon côté ? Vous êtes de l'autre côté. De mon point de vue, vous êtes de ce côté-là, monsieur. Ah bon ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui, oui. De mon point de vue, oui. Ah, alors essayez de, comment dire, d'attraper, comment dire... dans ma boîte à gants, je crois que j'ai une bouteille de d'orange. Parce que j'ai un peu soif. Ah, attendez. Ou la boîte à gants, elle est de l'autre côté. Ah oui. Ah oui, je suis de l'autre côté. Ah. Vous y arrivez ? Oui. Ah, on va remettre. C'est pas dans le temps. Oui. Oui. Du coup, je vais pas réussir à boire l'orange. Vous pouvez le boire à ma place. Au pire, vous me recrachez le jus d'orange. Parce que j'ai soif. Ça marche tout de suite. Hein ? Vous marchez ? Non. S'inquiétez pas. Oui. Moi, j'ai un peu courant, ça. C'est compliqué pour vous de boire dans ce sens. Ben oui, c'est ça, c'est problématique. Oui. Oui. C'est cocasse comme situation, je trouve. Un petit peu. Je vais quand même vous le donner. Je vais essayer de... Ah, merci. Merci. Je vais essayer de le boire, mais je vais pas y arriver. Ouais, mais ça... À mon avis, ce serait mieux si j'essayais de vous sortir. Oui, mais pour ça, il faudrait décoincer la ceinture. Faut passer de l'autre côté, je pense. Ouais, je pense. N'appelez pas, comment dire, la pseu, hein, c'est pas la peine. Je viens de les voir il y a pas longtemps. Pourquoi j'ai pas la pseu ? Ah, non, parce que je viens de les voir, ils sont pas très agréables. Oui. C'est les dernières personnes que j'ai vues là. Ah, bah tant mieux. Alors. Ah oui, effectivement, c'est bien passé. Ah, ça y est, vous avez réussi à la décrocher. Voilà. Ah, bon. Alors, par contre, je vais me casser la gueule, là. Je vais pas te dire longtemps, là. Oulala, j'ai plus de force. Oulala. C'est possible, je suis là. Oulala. Ah, je suis là. Oulala. Allez. Purée de pommes de terre. Oulala. Ah bah merde, on en a cassé la porte. Ouais, on va quand même se mettre sur la route, tu sais. Ah bon ? Tu sais que, oui, je pense avec des véhicules qui arrivent à nous raser, là. Je pense que ce sera bien. Mais on peut pas mettre des pelots ? Alors moi j'en ai pas, je pense, en service. Ah oui. Voilà. Bon, il y a ah bah collègue attends. Il est en service. Qui ça ? John. Qui ça ? John. Non, je connais pas. John. Non ? Bassin. Ah, monsieur Bassin. Ah oui. Il arrive, monsieur Bassin ? Oui, il arrive, il a sorti de Ah, ben c'est bien. Il est pas plus tardé. Ben oui, elle est à l'envers, du coup. Ça va marcher moins bien. C'est toujours bon. Monsieur Barbeau est pas dans le coin ? Non, pas de nouvelles, je suis ici tout à l'heure. Oui, je sais pas si on peut cacher les barrières, mais... Les barrières ? Vous les voyez pas, les barrières ? Il y en a plein sur la route. Ah bon ? Ah, j'ai un message. Ah, alors. Les agents se pourront recevoir. D'accord. Ah, je dois donner un coup de fil. Allez-y. Alors, comment que ça marche les téléphones des gens ? Oh, je sais jamais. Alors, appuyez là, et clique là. Encore, clique là. Et voilà. Ah. Oui, c'est Monsieur Patou. Oui, bonsoir Monsieur Patou, bonsoir Monsieur Patou. Oui, rebonsoir. Je vous dérange pas ? Non, je viens d'ouvrir la boutique, je suis disponible. Ah, oui. Vous pouvez venir quand vous voulez. C'est-à-dire que ma voiture est à l'envers. Alors, il y a des garagistes qui viennent récupérer ma voiture. D'accord, vous inquiétez pas. Je voyais le monde à l'envers.
moi, c'est pas tout. Oui. Attendez, j'ai Monsieur Bassin qui est là. Je vous rappelle, Monsieur Patriac. Oui, pas de souci, vous inquiétez pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, Monsieur Bassin, bonjour. Vous allez bien, Monsieur Passot? Oui, ça va, et vous? Oui, ça va. Ah, c'est... je vais pouvoir boire mon broc orange, du coup. Merci, Monsieur Connard. Qu'est-ce qui vous arrive avec la voiture? Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait d'abord écraser le pied, à Grappicidi. Ensuite, j'ai eu la pse qui est venue me soigner le pied. Ils n'ont pas voulu m'offrir un café parce que j'avais mal à mon pied. Donc, j'ai voulu chipper un peu le stylo. Il n'a pas voulu me donner non plus son stylo. Alors, pas très agréable. Puis, il y avait un monsieur en schtroumpf bleu. Et il paraît que monsieur Vidilitim, c'est une poche de glace. C'est ce que m'a dit monsieur, l'autre médecin. Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Je ne connais pas son nom. C'est Alex. Ouais, je sais pas, mais il m'a dit que monsieur Vidilitim, c'était une poche de glace. D'accord. Ok, oui. Bon, on va s'occuper de votre véhicule. Oui, oui, alors mon véhicule, oui, mais il est à l'envers. Je vois ça. Ah oui, moi aussi je le vois, oui. Puis j'étais dedans tout à l'heure. Ouais, de l'autre sens, ça serait peut-être plus pratique pour conduire, effectivement. Oui, je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai mon pied, mais c'est dû peut-être qu'il n'y avait pas encore assez de poche de glace sur mon pied et j'ai pas dû sentir le freinage. Allez, je m'en occupe. Oui, je vous en prie. Vous avez pas peur de laisser votre voiture à côté? Au garage. Ah bah oui, si vous voulez. Allez. Comme ça, vous pouvez tester mon véhicule. Ah, je peux conduire? Non, c'est moi qui conduis. Ah, c'est nul. Bon, je me pose la canette là. Attendez, je vais jeter la canette là. Hop. Hop. Ah, en route. Je les glace, tout ça. Oui, c'est sûr. Ouh, ça va vite ce machin. Oh là 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 là. Ah bon, moi on sera jamais en retard. What the shit, accrochez-vous. Ah purée, pomme de terre, mais ça va vite ce machin. Ça a de la patate. Jusqu'à 200, ça dépend. Ah oui. Ouais, 190, il aurait descendu. Jusqu'à 210. Ah oui, quand même. Au moins, vous pouvez semer les shérifs. J'ai jamais essayé avec. Ah bah, on peut essayer, on passe devant un radar, hein. Ouais, mais c'est un radar. Ah, son micro qui est trop près de sa bouche. Cher, un peu. Ah, bon, si vous n'arrivez pas à vous arrêter. Oui, bah, allez, je suis. Ah oui, dis donc, c'est que ça monte bien. Faut pas se faire arrêter, quoi. Non. Si on les voit, faut tracer, quoi. C'est ça. Ou alors faut trouver une excuse, je vous en trouverai une. Salut Alex. J'ai déjà réfléchi avec mes petites excuses. Oh bah tiens. En dessous. Oh là 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 là, vous l'avez démonté. Regardez à droite quand tu prends. Ah bah heureusement qu'on est attaché avec votre voiture. Mais n'allez pas la retamponner. Non. Oh, mais vite. Je suis pas si pressé que ça, hein, monsieur connard. Mais non. C'est pas question de presser, c'est bon. Mais sûr. Je vais toujours là. Mon dieu. Je les ai croisés il n'y a pas longtemps. Ah bah nous, ils arrêtent pas depuis tout à l'heure. Ah. Ils font une petite révision de tout leur véhicule, donc ouais. Ah oui. Ah, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas le temps de m'offrir un café, en fait. Ouais, vous savez quoi, si vous voulez, je vous laisse vous installer là. Oui. Et puis je vais vous chercher un petit café. Oui. Merci. Ça marche? Allez. Il va un peu vite avec sa voiture, lui.
Il devrait faire du sport automobile, là. Je pense. Oui, je pense, oui, il devrait faire des courses. Ouais, il va un peu vite. Hein. Mais bon, après, hein, il assume. J'ai pas fini ma cigarette. Oh, j'aime pas ça. Ça va coûter cher ce remorquage? Alors, je vais bien, M. Bandon m'a dit moitié prix pour vous. Ah, merci. Normalement, remorquage, réparation. 40. Mais ça fait beaucoup de chiffres là d'un coup. 65. Ah, bon, ça va. Remorquage et réparation. Ah, oui, parce que j'ai une petite retraite. Après, si vous voulez la chiffrinette en plus, ça fera 64. Ça va vous voir. Ah, bah il manque la porte. Ah oui, c'est vrai, la porte en moins. Attendez, la pièce. Tu n'as pas eu le temps d'apprécier le paysage. Non, je n'avais pas le temps. 65, on monte à 80. Ah oui, quand même. Ouais. Au lieu de 160, quand même. Ah, bah oui, elle marchera mieux comme ça, oui. Autant la finir, j'ai envie de dire. Vous avez une assurance? Remarquez, il l'a pris comme ça, il l'a remis comme ça. Ouais, c'est pas d'ennemi de toute logique. La pauvre bagnole. C'est pour ça la console. Vous avez combien de temps devant vous là, monsieur Padou? Ah oh bah écoutez, je sais pas, mais vu l'état de la voiture. J'ai le temps d'aller voir monsieur Patriac peut-être. Oui, sûrement. Je pense. Laisse-le à l'aise. Non, j'ai le temps d'aller à pied. Bon, bah, je vais aller voir monsieur Patriac. Merci pour le café. De rien. Oh merde. Je vous appelle que c'est fini. Hein, ah oui, bah prenez le temps. Ouais, je vais prendre le temps. Ouais. On a besoin de vie légitime pour Kiki. Non. Non, non. Il y a une ambulance à côté, remarque, je pourrais la prendre. Non, 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 non. Bon. Comme ça, c'était le petit passage pour rire. C'est bien quand c'est comme ça, quand ça se passe comme ça. C'est drôle, pour le coup. Mais bon, là, il me l'a fini, la voiture. De toute façon, je n'arrive jamais à faire quelque chose... J'ai toujours un couac. Je vais jamais... En fait, c'est pour ça que pour avoir une entreprise, c'est compliqué avec Patou. C'est très compliqué. Je vais traverser là, au cas où. Et c'est moi ou il y a des voitures qui ont disparu ou... Ah non, non, autant pour moi. C'est qu'il y a moins de monde. Les gens ont peur. Ah là 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 là, petit fou rire, ça fait du bien. Il m'a fini la voiture quand même. Bon, bah comme ça on a le temps d'aller voir monsieur Patriac. Bonjour. Ah ben soyez poli aussi, hein.
Ils sortent de... N'empêche, ça vit hein, sur le serveur. À chaque endroit où on est, il y a du mouvement, hein, c'est bien. Monsieur Patriac ! Monsieur Patriac ? Il est parti avec les chefs ? Là où celui de l'autre côté, pour moi, c'était des conneries de gamin, quoi. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Patou. Oui, bonjour, monsieur Patriac. Bonjour. Je gère un petit truc avec le shérif, je suis tout à fait à vous. Il me fait peur, l'autre. Oui, j'ai le temps. C'est qui est... Je vais m'asseoir. Hein. Faut pas chier. Hein. Hop. Voilà. Alors, je vous avoue que je ne sais pas lire cette inscription, mais si je me suis à mes connaissances, c'est de Runic, ça. Donc, c'est du vieux scandinave. C'est quelque chose de plutôt médiéval. Alors, comment il va, Alex? Ça date de tout ce qui est la région Norvège. On entend la discussion d'à côté, donc c'est bien. Suède, Finlande, tout ce truc-là. C'est européen, quoi. C'est vieux européen, et dans l'imaginaire des gens, c'est viking. Mais je sais que les germanistes utilisent aussi un petit peu, donc les germanistes et l'Allemagne, principalement aussi. Mais c'est juste aussi, là, comme... Ça, je sais pas très bien. J'ai aucune connaissance en langue ancienne. Ça me fascine sur ça. Quoi. Oh, sûrement, s'il y a des traces historiques de ce genre de choses, oui, ou voir s'il n'y a pas un historien ou un ancien historien qui se dans le coin ou un spécialiste de. Oui, quand tu disais. Attends, avec Rico. On n'avait pas tout. Vous avez juste découvert trois. Mais vous voulez encore autre chose? Vous voulez encore plus de trucs? Ah oui, mais là c'est du vieux germain. On peut passer 3 heures. Déjà que j'attends au garage, j'attends là. J'attends à deux endroits. Ouais, voire anticiper dans un certain temps. Hein. Donc, ouais, ça remonte à très longtemps. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai vu, mais c'est dans les alentours, quoi. Ouais, c'est pas récent. Mais oui, si je pouvais le traduire, je l'aurais traduit, mais vu que j'ai plus aucun contact avec l'extérieur de Brooklyn, je peux même pas envoyer la photo à des camarades qui auraient pu le lire. C'est bien, les murs sont pas très épais, donc on entend tout. Je pense qu'il parlait des autres ingrédients ou accessoires pour les recettes. Ah ! Ouais, c'est ça. Ah, mais il faut aller choper ça chez l'autre ferme. Il me semble. Et faut aller voir chez le grossiste ou... Ah, je sais plus. Je me repenche là-dessus, mais normalement tout est opérationnel, sauf que je crois que vous avez des trucs à faire. Il faut demander à la ferme ou un truc comme ça, à l'autre ferme. Parce que vous travaillez en fait avec eux, ils auront besoin de vous et vous aurez besoin d'eux. Ok. Les frères Johnson. Vous avez à peu près quelle époque? Avec
C'est lui qui marche bizarrement là. Nous, la recharge de table, on peut faire... Bon, et c'est pas que... Moi, j'attends un peu dans tous les endroits, là. J'attends le garage, j'attends ici. Il y a un moment... C'est pas que je m'ennuie, mais quand même. Attends, je sais ce que je veux faire. Mais me raccrochonner. Mais quelle impolite, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être impolis. Bon, on va changer de chaise. Oui, monsieur Patou. Oui, monsieur Patriac. Oui, c'est moi. Oui. Je suis dans votre local. D'accord, bah les chéris viennent de partir, j'arrive. Ah, oui. À tout de suite. Oui, vous raccrochez ? Voilà, je suis à vous, monsieur Patou. Ah oui, parce que j'attends ici, puis je dois attendre au garage, donc j'attends dans deux endroits, c'est un peu compliqué. C'est vrai que se dédoubler, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Alors, je vais de l'autre côté, et c'est... je vais vous prendre ce que vous vouliez me dire. Ah. Alors. Du coup, en quoi je peux vous aider ? Je vous vois grillager quand même, hein. Ouais, c'est toujours plus impressionnant, grillager, c'est... Oui, c'est un art, quoi. Oui, c'est un petit effet carreau, quoi. C'est ça, c'est artistique. Oui, je dirais plutôt grillagé, en fait. D'accord, bah c'est grillagé, du coup, monsieur Patou. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est ça. Voilà, il faudrait se parler en dessous de votre grillage. Oui, mais ça nécessite de se baisser, et je pense que si on se baisse tous toute la journée, on va avoir mal au dos à la fin. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Dites-moi donc, vous pouvez me trouver du matériel ou pas du tout ? Oui, ben, on ça. Ah, ben, tant mieux. Ça coûte cher ou pas ? Ça dépend du matériel et ça dépend de la rareté. Merde, tu sais ce qu'il me fallait, du propol ? Vous de me dire et je vous dirai. Du propol. Alors, du propol, j'en ai pas encore trouvé, donc ça a l'air d'être quelque chose de plutôt rare, mais je peux vous trouver ça, oui. Oh, rare, on ne sait pas si rare, hein. Donc vous me dites du propol. Du propol, c'est quoi ? C'est un gaz, un liquide ? Non, c'est un liquide. Un liquide, ok. Oui, mais c'est pour, faire ce que je vous ai montré l'autre jour. Oui, d'ailleurs, j'ai peut-être des choses qui peuvent vous intéresser là-dessus. Ah bon ? Vous avez quoi de votre ? Oui. Dites-moi ce que vous avez besoin, et moi, je vous dirai après ce que j'ai pour vous, et vous alors, dites si ça vous intéresse. Je fabrique moi-même les appareils pour faire... Ouais, je vois. Oui, d'accord. bon, bref, j'ai plus de respiration. Fin, hein, oui, c'est non, bien. Mais c'est que moi, j'arrive pas, hein, je fume pas. D'accord. Vaut mieux toujours faire des choses que qu'on ne fait pas, soi-même. Oui, c'est vrai, c'est toujours compliqué. Oui, bah, imaginez, vous êtes un barman, si vous êtes un barman, vous picolez tout l'alcool, bah, vous êtes complètement pété, donc vous pouvez pas revendre ce que vous avez consommé. C'est vrai que vider ses propres stocks, c'est jamais une bonne idée. Oui, donc vous imaginez que si... Je fumerai tout ce que je dois vendre, je serai déjà par terre. Oui, aussi, oui. Et forcément, l'entreprise marche moins bien, ou la vente marche moins bien, quoi. Oui, on va dire la vente. Parce que moi, c'est pas très déclaré. D'accord, bah la vente, du coup. Oui. Donc, pour faire mes petits appareils, il me faudrait d'une batterie, enfin, de la batterie, hein, parce qu'il en faudrait plusieurs, quand même. Du cuivre. Cuivre, j'en ai plus en stock, je les ai vendus tout à l'heure. Ah, merde. Je les prends en note, je vous les réserve. Il me faut des morceaux de lunettes, si vous trouvez ça, ou des morceaux de verre, morceaux de lunettes. Ok. C'est pour faire, vous savez, pour le liquide, pour que ça va dedans. D'accord. Alors, des lunettes, j'en ai pas actuellement, mais je sais où en trouver. Voilà, et puis de temps en temps, ben, des brosses à dents, parce que j'ai besoin de faire des mèches avec les poils de brosse à dents. Eh ben, j'en ai aussi actuellement, si vous voulez. Voilà. Et puis par contre, ben pour le liquide, ben c'est du propol qu'il me faut. Du propol, du produit chimique, ben de la... Je sais pas si ça vous parle. Ouais, ça me parle, ça. Oui. Et puis, il me faut un autre truc. Oh, merde, je sais plus. Ah, c'est à la maison. Merde! Pas de soucis. Au pire, vous m'envoyez un message pour me dire ce que c'est. Alors, je... Non, je mets pas de... Monsieur Patriac,
Moi, le téléphone avec les messages, je n'en vois pas. D'accord. Juste pour dire bonjour, voilà, si tout va bien, vous raccrochez pas, voilà, c'est tout. Mais pas pour le business d'à côté. Eh ben, à ce moment-là, quand vous vous souviendrez, si je vous appellerai. On se croisera. Oui, voilà, vous m'appelez ou si on se croise, vous me le dites. Oui. Mais du coup, ok, je récapitule. Donc, propol, cuivre, oui. Morceau de lunettes, un peu de trucs chimiques et vous voulez également des batteries. Oui. Ben oui, pour que ça, un truc comme ça. C'est mieux quand ça fonctionne, oui. Oui. Alors, si vous voulez, actuellement, je vais regarder un peu ce que j'ai sur mon listing. Oui, je vous en prie, regardez donc. Il a trouvé ton matériel, il a pas tout. Me demander, j'ai déjà des batteries. J'en ai 9 en stock, d'ailleurs, actuellement. Oui, et vous vendez ça combien? Les batteries sont assez chères, je vais vous dire ça tout de suite. Les batteries, c'est $30 la batterie. Ah oui! Oui. Alors c'est sûr que ma machine, je vais la vendre à combien du coup? Alors je suppose que les machines, moi je sais qu'en Europe, on les achetait entre 70 et $80 la machine. Oui, mais c'est pas très rentable. Alors, c'est pas très rentable, ça dépend. Le cuivre? Ben oui, c'est ça, le cuivre, la batterie. Un peu de brosse à dents, moi. J'imagine que le fil pour faire des mèches, ça va, c'est pas trop. Et le verre de lunettes, je pense que vous pourrez en trouver. Mais... Oui, alors si vous voulez, je peux vous donner une estimation à peu près de certains trucs. Oui, pour que je fasse au moins l'appareil, il me faut déjà ça. Alors la batterie, moi généralement je fais $30 la batterie, c'est ce que j'ai avec mes autres acheteurs sur la batterie. Pour le cuivre, avec mes autres acheteurs, on était convenu à $7 la pièce. Pardon, j'ai pas compris. $7 le morceau de cuivre, c'est ce qu'on a convenu avec les autres. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais les autres, c'est les autres. Moi, c'est pas tout. C'est pas pareil. Oui, mais j'essaie de faire à peu près tout au même prix. Sinon, après, c'est la foire à la saucisse, j'ai envie de dire. Ah bon, vous faites des saucisses? Non, ça, je fais pas. Ça, je préfère les laisser au boucher. Ah bon? Elle s'appelle... Mademoiselle Matthews? Oui, elle fait de la saucisse. Alors, il faut voir avec elle, mais ça me parle, oui. C'est possible. Oui. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Non. Si vous voulez aussi le chimique derrière, c'est $15 le bidon. Ah la vache. Ah, il faut faire un prix, monsieur Patriac, là, parce que moi, vous imaginez que l'appareil va coûter une fortune au client. Admettons, vous en voulez une. Vous êtes prêt à débourser combien? Moi, je pensais débourser entre 80 et $90 à peu près. Ah oui, bah non. Sinon, derrière, les morceaux de lunettes, on vous les fait à $2. Et la brosse à dents, on l'a fait à $2 également. Oui, 30 plus 7 plus 4, ça fait déjà pas mal. Ça fait beaucoup. Après, je sais pas combien vous faites, par exemple, parce que vous m'avez dit que tout ce qui était propol, produits un peu chimiques et tout ça, c'était plus pour faire le liquide en lui-même. Je sais pas combien vous faites de fioles avec un bidon de porte. Ben voilà, mais il faut que je teste. Oui, y a pas de souci. Mais si vous voulez, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que j'ai deux choses qui peuvent vous intéresser. Oui. Il y a quelque chose, je vous en fais cadeau. Et il y a quelque chose, je vous le fais à bas prix. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai trouvé une des petites fioles que vous m'aviez montrées la dernière fois. J'en ai trouvé une. Ah, bon bah c'est bien. Donc, ça. Ça, je vous l'offre, sans aucun problème. Pour ah mais non, faut la revendre. Oui, mais si vous voulez, avec le prix là que je vous ai annoncé, si derrière on fait affaire, c'est un cadeau de bienvenue, si vous voulez. Oui. Voilà. Et par contre, derrière, j'ai trouvé... Ouais, moi, je pensais au moins 150, la peu fait. Pour pouvoir aspirer. Au moins, parce que c'est un truc... De quoi? Les trucs qui permettent de faire... Oui, la puf-puf. Voilà, la puf-puf, ben, j'en ai trouvé une, si vous voulez. Ah, vous en avez trouvé une? Oui. Faites voir le modèle, comment c'est fait. Enfin, si vous pouvez. Oui, pas de souci. Oui, je vais vous la chercher. Oui, moi je pensais vendre au moins 150 l'appareil, parce qu'un coup que tu l'as. Après, ça a une usure. Hein. Mais les liquides, ça se consomme, c'est...
plus tu vas le consommer, plus tu vas... Alors, c'était dans mon stock. Tenez, je vais vous la poser sur le comptoir. Oui, mais je pense qu'il est tombé dessus par hasard parce qu'on a changé, justement. Hop, voilà. Et là, c'est le deuxième truc que j'ai trouvé. Oui, c'est bien ce modèle-là. Ouais, ben voilà. C'est... J'en ai trouvé une actuellement. Oui, ben c'est rare d'en trouver, moi, je peux vous le dire. Oui, je veux bien vous croire. Oui. Avec toutes mes recherches, c'est la première que je trouve et j'en ai pas retrouvé depuis. Tenez. Oui, 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 oui. Ben, c'est-à-dire que c'est un modèle, comment dire, qui était à Brooklyn avant. D'accord. Et oui. Donc c'est pour ça que ça se trouve très rarement, parce qu'à mon avis, tout est soit resté là-bas, soit tout a été pillé, quoi. C'est ça. Il n'y a plus rien sur, normalement de ce côté-là, et comment dire, c'est pour ça que je vais faire mon business, parce que tout se trouve là-bas. Ouais, ok. Ouais, donc c'est vrai donc que là, je préfère les fabriquer. Oui, c'est vrai que c'est que j'ai trouvé, du coup, c'est un coup de chance. Je pense, à mon avis, c'est qu'il y en a un qui a dû le trouver, qui a dû le faire tomber de sa poche. Je sais pas, vous l'avez trouvé où, ce machin ? Machin là, je l'ai trouvé, vous savez, dans l'ancienne zone pavillonnaire, là, pas très loin du mur. Ah, chez les bourgeois, là ? Oui, voilà, bah, c'était là-bas, il y avait une caisse qui traînait dans un entrepôt, j'ai ouvert la caisse, et bah, il n'y avait plus rien dedans, mis à part ça, qui traînait dans le fond, quoi, avec le liquide avec. Ah oui, mais ça de la valeur, monsieur Patriac. Je veux bien vous croire. Parce que ça vaut au moins 150 dollars. À la vente. Ouais. Oui, oui, ça je veux bien vous croire. Vous imaginez bien que quelqu'un qui prend ça, il n'a plus besoin d'acheter de tabac. Oui, ça je veux bien vous croire. Mais vu que c'est votre business, forcément je vais vous la revendre à vous. Quoi. Oui, non, mais bon, après, c'est au moins vous connaissez le modèle. Au moins, voilà, moi j'en fabrique. Enfin, je vais essayer d'en fabriquer, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fabriqué, mais comment dire, il faut que je trouve le matériel. Oui, ben ça, justement, on est là pour ça. On va essayer de vous trouver tout ça. Le plus chiant, c'est le produit. Oui, ça, je veux bien vous croire. Après, c'est vrai que ce que vous me demandez, le propol, j'en ai pas encore vu. Enfin, je sais pas où on va en trouver. Vas-y, avec le monsieur... Ah, il a ça, monsieur Dim. Non, Vinididim. Oui, ok, monsieur Valentine, quoi. Non, Vinididim. Monsieur Vinididim, d'accord. Ben, oui. Monsieur Vinididim, ben, vous, oui, ben, si lui, il en a, mais je vais pas lui piquer ses stocks non plus. Non, mais il a peut-être ça, je dis pas qu'il en a, il a peut-être ça avec tout son bordel de médecine, il y a bien des produits là-dedans. C'est vrai, à voir dans quel contexte il l'utilise aussi. Ah oui, bah alors ça, je voudrais pas savoir. Mais ça, je vais essayer de vous en trouver, de toute façon. C'est le but, c'est qu'on cherche et qu'on trouve. De toute façon, sinon... Oui. Et tout ce qui est... Attendez, j'ai un coup de téléphone. Oui, allez. Okno, je sais pas qui c'est. Oui, monsieur Okno ? Oui, monsieur Batou, c'est monsieur Bassel. Ah, monsieur Bassin, comment allez-vous ? Bien, ma voiture est toujours à l'envers ? Sur ces quatre roues. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai fini la réparation. Vous voulez un coup de lingette sur la voiture ou pas ? C'est facturé la lingette ? C'est facturé à 50% pour vous. Ah, alors, bah allez-y. Ok, très bien. Bah écoutez, je vais la sortir du garage une fois que j'ai fini le nettoyage. Oui, bah j'en profite, je finis mon rendez-vous avant. Oui, pas de problème. Je suis pas loin. Ah, bah c'est gentil, merci monsieur Bassin. Avec grand plaisir, à tout à l'heure. Oui, je vous en prie. Vous raccrochez ? Très bien. Oui, excusez-moi, monsieur Patriac. Oui, comme je vous disais, les bidons un peu que vous me demandiez, là, un peu chimiques, là, je vous avoue que je sais à peu près où en trouver, donc ça, je vais peut-être vous en avoir pas rapidement, mais je vais produit, vous en avoir. Du oui, voilà. Je ne vais juste pas prononcer ce nom-là, mais oui. Oui, ben, pfeu, c'est bien. Hein, c'est pfeu, quoi. Oui, voilà. Oui, vous savez combien ça fait de litres, ce machin ? Il me semble que c'est des bidons de 5. Ah oui, donc avec déjà un bidon, je pourrais en faire pas mal. Après, il faut que je fasse des essais, quoi, des potions. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est des bidons de 5 que j'ai trouvé jusque-là, en tout cas. Parce que si j'en mets un peu de trop, je pense que les gens vont s'arracher la gueule en fumant leur machin. Je pense que ça peut ne pas être très agréable, oui, en effet. Oui.
Et du coup, juste question comme ça, vous, le kid et la cigarette, vous la vendriez combien? Eh ben, ça va dépendre du marché. Parce que normalement, la cigarette en elle-même, là, le truc, là, le machin, faut qu'au moins je rentre sur mes affaires. Enfin, il faut que je vende ça au moins $150, au moins l'appareil. Oui. Après, okay. La petite fiole, je pense que c'est $15 la petite fiole, quoi. Parce que la petite fiole, ils peuvent s'en faire quand même pas mal. Mais après, c'est du liquide, hein. C'est du business-business, hein. C'est du consommable. Oui, bien sûr. Mais moi, ça me permet aussi de savoir si j'en trouve, si je vous les vends derrière, que je ne vous en vende pas non plus au prix de votre vente et que je ne vous les vende pas trop cher, vous puissiez également vous faire une marge dessus, quoi. Ah ben oui, il faut que je me fasse une marge, autrement ça ne sert à rien. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je vous demandais aussi ça, parce que moi, ça me permet de me fixer sur mes tarifs pour si j'en retrouve derrière. Bah, il faut être un peu... Je ne sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, comme je fume pas, je peux pas vous dire. Le paquet de cigarettes, il me semble que la dernière fois que j'en ai acheté, ils étaient aux alentours de $10-$12. Ah oui. Mais ils ont peut-être augmenté entre-temps. Moi, je sais que je m'étais fait un stock à une époque, et depuis, j'en ai pas racheté depuis un bout de temps. Ah oui. Donc, c'est plus avantageux quand même de je sais pas comment on dit, de puffer. De puffer de, oui, oui, de puffer. Oui, de puffer. Nous, en Europe, on appelait ça vapoter. Ah oui. Ça fait un peu tapeter, quoi. Oui, après, on appelait ça vapoter parce qu'une cigarette vous permet de fumer parce que vous avalez de la fumée. Et oui. Vapoter, c'est parce que vous avalez de la vapeur. Oui, enfin, c'est plus du liquide dégueulasse. Hein, que je préfère vous préciser. Hein. Ça. Il y a des têtes de mort sur les liquides, donc je sais pas si. Moi, j'utilise les recettes que j'ai trouvées dans un carton. Il y a aussi des têtes de mort sur les paquets de cigarettes, finalement. Oui, bah oui. De toute façon, tout ce qui est consommable dangereux, tout le monde prend. Oui, voilà, c'est on aime vivre dangereusement, je pense. J'ai l'impression aussi. Mais il n'y a pas de souci, mais si vous voulez, je peux déjà... alors moi, déjà, ce que je peux vous vendre, c'est des brosses à dents, j'en ai. Oui. Je crois que j'en ai 5 de mémoire dans mes stocks. Oui. Je peux vous vendre la cigarette là que j'ai trouvée, comme oui. Ça, vous en avez une. Et je peux vous vendre également le liquide que j'ai trouvé. Ou vous oui. L'offrir en cadeau de bienvenue. Mais non, mais gardez-la pour vous, la cigarette. Vous fumez ouais. Pas. Ah si, moi je fume, oui. Mais gardez-la pour vous. Moi je vais en fabriquer, ben, mais au moins, vous savez... Si ça vous va, oui. Non, mais moi, Monsieur Patriac, moi je suis là pour du business, mais il faut que ça soit donnant-donnant d'accord, je suis bien d'accord, mais il y a le côté où il faut... Vous êtes, comment dire, le client témoin, ou je sais pas comment ils disent, là, comment ils disent... Le client test. Oui, voilà. Et ben comme ça, au moins, vous pouvez dire, ben, c'est Monsieur Patou qui me l'a vendu. Alors, faut pas évidemment crier sur tous les toits non plus, faut pas déconner. J'ai pas envie non, de me faire attraper par la PEPF. Et, comment dire, ben, au moins, vous dites, mais si, c'est Monsieur Patou qui a fait. Puis, comme ça, ben, au moins, il y a, comment dire, un retour client. Ok, ben, il y a pas de souci. Ben, je ferai votre client test, du coup. Ben oui. Puis, ben, comme ça, je verrai si vous êtes mort ou pas. Enfin, je sais pas. Vous avez testé oui. Le produit ou pas? Alors, j'ai rien testé pour le moment parce que je ne savais pas si j'allais vous la vendre ou pas. Donc, ah, bah c'est gentil. Je ne sais pas, je ne teste pas. Je oui. Ne teste pas mes produits avant de les vendre, sauf si c'est du produit électronique pour être sûr que ça fonctionne. Oui, bah comme les batteries. Comme les batteries, je sais qu'elles fonctionnent. Ah oui. D'ailleurs, j'en ai 9 des batteries actuellement encore. Oui, mais moi, je vais peut-être vous en prendre 2-3 déjà pour faire des essais avec les machines parce que ça se trouve, je pourrais la réussir du premier coup, la machine. Parce que c'est assez fragile, hein. Puis il faut pas trembler. Alors en général, je fais ça le matin, parce que je tremble pas trop le matin. D'accord. Eh ben, si vous voulez 2-3, c'est ça que vous m'avez dit? Oui. Eh ben, je vais vous les chercher, comme ça je vous les donne tout de suite. Oui. Avec les brosses à dents? Oui. Allez, je vous donne ça. Les brosses à dents, vous voulez les 5 ou vous en voulez moins? Oui, les 5, donnez-moi les 5. De toute façon, il faut faire des mèches. Ok, ça marche. Ben, je vais vous chercher ça tout de suite. Non, mais qu'il la garde la machine en fait. Mais je pense qu'il faut la vendre $150 au moins la vapoteuse. La vapoteuse. La futeuse. Non, comment on dit. La puffeuse. Alors, je vous les pose sur le comptoir. Alors, je vous cache pas que les batteries, vous êtes pas le seul acheteur dessus. Du coup, il est possible que les stocks soient vraiment approximatifs suivant mon autre acheteur. Quoi. Oui, mais je vais pas en vendre tous les jours, Monsieur Patriac, des cigarettes puffeuses.
Oui, je m'en doute, mais je préfère vous prévenir au cas où, comme ça, si vous voulez faire un petit stock au cas où qu'il n'y en ait pas de disponible, comme ça vous savez que vous en avez d'avance, quoi. Ouais, bah essayez d'en garder au moins une de temps en temps de côté. Comme ça, au moins, je peux toujours travailler de mon côté. Au moins, j'en ai une pour tester une autre. Enfin, je sais pas. Hein. Pas de problème. Pas de problème, je vous en mettrai de côté. Parce que les batteries, c'est toujours compliqué à en trouver. Vous avez déjà été de l'autre côté, là? Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Ah, ouais. Alors, on sait jamais. On sait jamais, parce que j'ai des trucs, là. Enfin, bon. Vous avez des morceaux de lunettes ou pas du tout? Alors non, là, j'en ai pas actuellement, mais je sais à qui demander. J'ai déjà 2-3 personnes qui m'ont dit on en a si t'as besoin. Donc, ah, je, bah, je les appellerai. Je sais qu'il y en a un qui j'ai essayé d'appeler tout à l'heure qui est parti se coucher. Donc lui, il sera pas dispo. Et le deuxième est pas disponible non plus. Il est actuellement en formation. Donc, mais je les aurai, je pense, dans les. Si c'est pas dans les prochains jours, ce sera la semaine prochaine ou plus tard. Je les aurai. Oui, et oui, je vous oui. appelle dès que j'en ai. Oui. Et puis, du coup, bah, si vous avez du cuivre, enfin du cuivre. Ouais, alors le cuivre, pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, j'ai vendu tout mon stock de cuivre il y a quoi, il y a 1 heure et demie maintenant. Ah, bah oui, mais je vous ai tellement appelé en avance que du coup, c'est raté. Ouais, malheureusement, il m'avait appelé juste avant et quand vous m'avez appelé, je venais de sortir justement de ma livraison. Ah, oui, super. C'est qui celui-là que je démonte sa goule? Bon, si vous voulez essayer, c'est l'armurerie. Ah oui, bon, ouais, bon. Je pense que je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée d'aller leur démonter quoi que ce soit. Non, j'ai pas vraiment le temps. Bon, et puis je vous rappelle pour mon produit, parce qu'il me faut du propol, ça c'est sûr. Parce que oui. C'est pour faire le mélange avec du chimique. Et puis il y a un autre produit, je sais plus ce que c'est. Je vous dirai. Ouais, pas de souci. Ou si vous voulez, moi je peux directement vous appeler dès que j'en ai en stock. De toute façon, pour le moment, vous êtes le... je vous le mets de côté, comme ça je sais que oui. dès que j'ai un stock, je vous le donne. Vous préférez que je vous appelle dès que j'en ai ou vous voulez attendre que j'ai un stock un peu plus élevé et je vous appelle dès que j'ai un stock? Non, non, dès que vous en avez un, parce qu'au moins je pourrais faire des tests de potions. Parce que ça doit être des bidons quand même assez gros. C'est pas avec un bidon que je vais pas faire qu'une fiole avec. Oui, je me doute bien, c'est pour ça que je vous fais ça dans la foulée. Si vous voulez, dès que j'ai, je vous appelle. Pourquoi un foulée? J'ai pas compris. Dès que j'ai, je vous appelle. Voilà, si vous ah préférez. Oui. Très bien. Bon, ben c'est tout alors. Du coup, je vous fais la petite facture pour ce que je vous ai vendu là. Ah, vous êtes obligé de faire une facture? Je peux pas vous payer en cash? Si vous préférez en cash, hein, y a pas de souci. Ah, je préfère, monsieur Patriac, je vous ai dit, je suis très discret de ce côté-là. Eh ben, entre les sumeux et puis l'argent. Eh ben moi, vous, de toute façon, vous inquiétez pas. Je prends cash, virement ou paiement directement sur facture. Ah oui. Donc si vous préférez en cash, ça fait un total de 100$. Ah bah attendez que je regarde dans mes poches. C'était 90 les 3 batteries et 10$ les 5 brossades. Voilà, je vous mets cela sur le comptoir. Avec un. Merci beaucoup, monsieur Patou. Ah ben, merci à vous, monsieur Patriac. Et oui, je vous recontacte dès que j'ai ce qu'il vous faut, je vous contacte et pensez à m'appeler pour me dire le dernier ingrédient qui vous manque. Oui, j'irai voir ça. Et je testerai la cigarette et je vous dirai du coup ce que j'en pense. Oui, alors faites attention, hein, parce que la cigarette, elle ne peut pas durer longtemps, tout dépend de la batterie que vous avez mis dedans, ou c'était une ancienne batterie. Faites attention. Oui, il n'y a pas de ça vous pète pas la gueule. Ouais, j'essaie de faire attention à ça. C'est vrai que ce serait mieux que ça me pète pas la gueule. Ouais. Oui. En effet. Bien. Mais en tout cas, merci pour tout. Oui, mais je sais, je suis Patou. Oui, c'est gentil, mais merci à vous. Ben, merci, monsieur Patou, pour, oui, je vous pour l'achat. Oui, ben, je vous en prie. Et puis, ben, bonne recherche si vous faites de la recherche. Vous faites que de la recherche? Non, on fait aussi un peu de touristique. Ah bon? Dans le sens où si vous voulez qu'on vous amène dans un endroit particulier que vous sentez un peu dangereux, nous, on peut vous y amener après avoir fait un petit repérage. Si vous voulez qu'on aille à un endroit particulier pour prendre une photo parce que c'est un endroit qui vous tient à cœur, on peut aussi y aller et faire la photo pour vous. Oui, alors je vous dirai bien des choses, mais peut-être pas dans un local. Oui, pas de souci. Alors, moi, ce soir, là, malheureusement, non, mais je dis pas ce soir. Hein, mais non, plus tard, ouais. Oui. Vous m'appelez, on convient d'un rendez-vous où vous voulez, et on peut se voir et discuter. Ah oui, parce que j'irai bien dans un endroit, mais j'aime pas trop parler dans ces machins-là.
Il n'y a pas de problème. De toute façon, la discrétion est notre maître mot. Ah bon? Quand c'est quelque chose qu'on nous dit, il faut pas le dire, on le dit pas. Ah oui? C'est écrit où? Ça, c'est pas écrit, justement, parce que si c'était écrit, ce serait plus discret. Ah oui, c'est pas faux. Voilà. Mais là, je pense que vous l'avez vu avec le paiement, notamment de ce soir. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Et qu'on je notifierai pas dans nos factures, comme ça au moins, dans notre comptabilité, comme ça au moins, vous n'avez pas de problème, il n'y a aucune trace nulle part. D'accord. Alors, Motouche et Bouche perdue. Exactement. Voilà. Motouche et Bouche perdue. Voilà. Bon, ben, très bien. Et puis, tenez-moi au courant si ça marche bien, ce machin. Si ça vous pète à la gueule, ben, c'est pas de ma faute, hein. Ah, bah ben non, vous l'avez pas construite, celle-là. Non. En général, j'arrive à construire des choses. Mais non. Je suis pas responsable, hein, monsieur Patriac. Je vous considérerai pas comme responsable, vous inquiétez pas. Mais bon, si ça marche, n'hésitez pas à dire que c'est moi qui l'ai fait. Pas de problème, je ne ferai que de la bonne publicité. C'est de l'argument de vente, hein, c'est du commerce. Je suis un très bon commercial. Eh ben, je vois ça, monsieur Patou, je vois ça. Oui. Vous voyez, vous êtes sûr, parce que avec vos lunettes, c'est vrai qu'on est grillagé dès le début, mais c'est vrai que... C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de les avoir sur le nez que j'oublie de les enlever. Ah oui. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, je vous vois, monsieur Patou. Ah ben oui, je suis là. Oui, exactement, vous êtes devant moi. Oui. Très bien. Merci, monsieur Patriac. Mais pas de problème. Bonne soirée à vous. Merci. J'ai hâte de voir tes premières ventes de Puf Puf. Ouais, ouais, ouais. Mais les Puf Puf, ouais, c'est que une fois que t'en as vendu, tu ne peux pas les... Enfin, tu peux en revendre de toute façon parce que normalement, elles ont une durée de vie. Et donc il faut qu'elle dure longtemps, mais pas trop longtemps. Mais que ce soit toujours plus rentable. Que... Je sais pas s'il y a des voitures devant. Parce que moi je traverse, je regarde pas. Que ce soit plus rentable que des cigarettes, quoi, en fait. Bon, après, t'as ceux qui aiment fumer la cigarette. Enfin bon, bref, ça c'est un débat, j'ai envie de dire. Vous comprenez. Bon, bref. Mais il y a un autre endroit que j'aimerais qu'on aille avec Patou. Mais s'il va dans des endroits intéressants, il y a un endroit où Patou a besoin d'aller. Ça, ce sera pas tout de suite, mais il faut qu'il trouve l'endroit. Personne m'a rien dit hein, sur ma tenue au final. Hein. Donc c'est que ma tenue est bonne. Hein. Elle est très stylée, très monde. Hein. Pas tout. Oui, monsieur Bassin. Elle est plus jolie comme ça, non? Alors, il fait nuit, c'est un peu difficile à voir, ah. je vous dirais. D'accord. Vous pouvez pas la mettre vers la lumière? Attends, je vais vous l'avancer. Connor va le faire. Eh, j'ai galéré. Hein. Bah oui, j'imagine. Et là, pour le coup, je crois qu'elle est quasiment neuve. Ah oui. Sortie concessionnaire, j'irai. Ah oui, quand même. Presque. Ah bah oui. Ouais. Je suppose qu'on peut lui rajouter sur cette bagnole si on peut faire des petites poupouilles dessus. Je sais pas du tout. Si vous voulez, je peux regarder. Ah oui, ce serait bien. Enfin, après, ça va dépendre du prix. Ah bah ça... On va dire qu'il y a toujours les moins 50%, donc on prendra ça en compte. Oui, hein, mais enfin, je suppose qu'il est possible de faire là-dessus. Et après, si vous voulez, je peux regarder. Hein. Je vais me changer, puis on regarde ça. Oui, allez-y donc. Bah, je laisse, on laisse fait la facture, monsieur Patou. Oui, et puis... changer, oui. Et puis, on va voir ça. C'était votre rendez-vous? C'est bien passé? Ah, impeccable. Bon, parfait. Il est gentil, monsieur Impériac.
Oui, monsieur Patriac, oui, très gentil. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, oui. Alors, du coup, donc j'aurais donc pour vous au niveau, donc il y a eu la réparation de la voiture. Oui. Donc en, faut que je bouffe un truc. Compter, je vais crever. Du coup, une pièce supplémentaire au niveau de la porte et du coup le remorquage et le chiffon. Donc en tout, ça fait le chiffon vous est offert par la maison. Ah, c'est donc, gentil. Non, c'est normal. Il y a pas de souci. Donc du coup, ça vous fait donc $160 moins les 50%, ça vous fait 80. Ah, bah très bien. Impeccable. Voilà. Donc je vous fais la facture. Oui. Parce que j'ai une petite retraite. Non, il n'y a pas de... On comprend. J'ai pas beaucoup de sous. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de sous, qui ne servent strictement à rien d'avoir beaucoup de sous. Franchement, je vous le dis, ça sert strictement d'être. Parce que si vous avez trop de sous, la pfeu vient de la récupérer. Alors, oui, ou alors, il faut avoir que du cash, mettre sous le... Sous le paillasson. Non, le lit, le paillasson. Ouais. Bah, ça dépend, hein. Des fois, il y a les gros paillassons. Oui, mais enfin, si vous faites le ménage et puis que c'est une femme de ménage qui fait le ménage à votre place, vous avez plus de monnaie. Hein. Ah, mais c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Vous avez l'expérience. Oui. Toujours. Je vous mets ça sur le comptoir. Voilà. Parfait. Vous savez pas si le château de Monsieur Bernard ou Monsieur Karl est ouvert ? J'ai faim. Alors, là, actuellement, je sais que Karl était à l'armurerie, je crois qu'il travaillait à l'armurerie, donc je suis pas sûr qu'il soit revenu. Ah oui. Et j'ai pas eu d'infos, au contraire, sur le Shadow Bar qui avait pu ouvrir. Ah oui. Bah, je vais appeler Monsieur Karl. Oui, je pense que vous pouvez, il vous dira s'il y a une intention ou pas d'ouvrir. Hein. Attendez. Alors, comment ça marche déjà ? Alors, Monsieur Karl. C'est là. Appelez deux fois. Oui, monsieur Karl. Monsieur Patou. Oui, vous allez bien, monsieur Karl. Ça va et vous? Vous trouvez pas que c'est con de dire à chaque fois comment allez-vous, car chacun dit comment allez-vous? C'est vrai, sachant qu'en plus c'est quand même... C'est un peu con quand même. Bah ouais, puis c'est difficile d'aller bien ici quand même. Hein. Oui, c'est pas faux. Parce que pour aller bien ici, oui, effectivement. Non, je voulais savoir si vous étiez ouvert. Est-ce que j'avais faim? J'avais envie d'un sandwich, mais vous êtes ouvert ou pas du tout? Non, on n'est pas ouvert encore, non, du tout. Ah. On risque d'ouvrir, mais peut-être dans encore un peu, dans quelques minutes, quoi. Ah oui. On est en train de gérer les stocks, en fait, pour le bar, parce qu'on a les stocks à zéro. Ah oui. Vous êtes à zéro? Ah bah, du coup, ça va pas mal. Non, ça va bien. Mais non, vous dites que vous êtes à zéro. Oui, non, mais on est à zéro. Vous en faites pas, monsieur Patou, on ouvre bientôt. Ah, je m'en fais pas, mais vous êtes à zéro. Moi, je préfère vous le dire. Oui, non, mais on va faire en sorte... Enfin, c'est vous qui me le dites, hein, que vous êtes à zéro. Moi, je préfère vous le dire que vous êtes à zéro, tout. Oui, il n'y a pas de... Bon, monsieur Patou, à tout à l'heure, je vous appelle quand on ouvre. Si oui, d'accord. Vous raccrochez? Bonne soirée. Oui, je raccroche. D'accord. Bonne soirée, monsieur. Merci, au revoir, monsieur Karl. Au revoir. Oui, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Vous raccrochez? Quoi? Bon, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, ils sont à zéro, mais ils vont ouvrir. J'ai pas compris. Ah. Ok. Bon, d'ici quelques petites minutes, qu'il m'a dit. Bon, en attendant. Où je me trouve? Je crois que j'ai un bout de pain dans la voiture. Tenez. Merci. Ah, si vous avez besoin, je vais avoir une poire quelque part. C'est-à-dire, vous pouvez vous expliquer un peu plus? Vous avez une poire quelque part Pourquoi vous la cachez quelque part? Non, mais dans la voiture ou quelque part, ou dans le frigo, je sais plus. Je vais avoir une poire et un fruit, tu sais. D'accord, oui. Ouais, si besoin. Ah, bah si vous avez, je suis preneur. Je vais regarder ça. Oui, allez voir votre poire. Oui, je vais voir ma poire. Oui. Alors, du coup, vous avez trouvé quelque chose? Alors, il y a quelques petites modifications. Ah. Mais rien de très impressionnant. Oui, bah enfin, du moment que ça reste discret aussi. Hein. Alors, on peut changer... Il y a le pare-choc avant, il n'y en a que un. Ah oui? Voilà. Tenez, mais c'est pas tout. Ah, c'est original. Ça enlève la plaque. Mais il y a la plaque à l'arrière. Vous avez reçu? Oui, toujours. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber par terre. Oh merde.
Hop. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Ah, ça fait du bien. Alors, oui, bah, c'est pas mal aussi. Ça coûte combien? 368. Oh, purée de pommes de terre. Mais ça, il y a la plaque à l'arrière, du coup. Oui. Oui, bah, comme ça, s'ils disent quelque chose. Oui, ça, ça reste discret, quoi. Non? Vous en pensez quoi? C'est bof? Ah, oui. Ah, moi, je préfère sans la plaque à l'avant. En fait. Ah, bon. Voilà. Alors, attendez que je regarde. Je crois que je peux regarder sur mon téléphone. Mais il vous reste en banque? Oui. Ah non, ça c'est le réglage. Merde! Alors, menu. Là. Voilà. Ensuite, les trucs rouges. Voilà. Hop. Ah, c'est bon, j'ai un peu de sous. Oh, ben dis donc. Après, on peut voir les autres, hein, si jamais il y a quelque chose d'autre. On peut installer des galeries au-dessus. Ah, ben voilà. Ici, il faut de la galerie. Moi, j'aime beaucoup la galerie. Ça me protège. Tac tac tac, alors la galerie. Alors, là ça. Oui. Je voulais le prix, hein, c'est tous les mêmes, c'est 401$. Oh purée de pommes de terre, oui. Voilà, celle-là. Oui. Il y a celle-là dans. Sans rien, voilà. C'est mieux sans rien. Je préfère aussi. Oui. Allons-y pour ça. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait des pots d'échappement. Oh, ah bon? Des pots d'échappement. Pourquoi, pourquoi? Vous voyez, là, vous avez le petit double pot de base, on va dire. Oui. On va rajouter un autre à gauche. Oui. Oula. Vers les deux doubles pots. Ah oui. Pots, ça change pas la puissance de la voiture. Non. Non, non, non. Ah oui, donc c'est pas la peine. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, on avait le capot aussi. Un capot, ça change pas grand-chose. Vous voyez? Ah, c'est des rainures. Ça fait une longue grille, ouais, voilà, ça fait une longue grille au milieu. Ça enlève les rayures, vous voyez, qu'il y a de base. Oui, bah, on a l'impression qu'on a un drainage de travaux, quoi, sur la bagnole, donc c'est pas très intéressant. C'est voilà. Pas que, oui, quand il pleut, c'est pas mal d'avoir un drainage, mais tout tombe dans le moteur, donc c'est un peu con. Sinon, il y a celui-là. Celui-là. Avec, du trait au milieu, en quelque sorte, qui sépare. Oui, l'arrêt au milieu, je l'ai déjà, c'est pour la peine. Non, mais c'est déjà pas mal. La galerie, plus le pare-choc devant, déjà, c'est bien. Après, j'ai plus de sous, moi. Après, qu'est-ce qu'on avait? On avait deux bas de caisse que je trouve pas très. Voilà. Vous voyez. Ah oui, il y a une grosse différence. Non, non. Ouais, je trouve pas, je sais pas. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est le contraire, en fait. Il n'y a pas une grande différence. Oui, c'était ironique. Oui, voilà, c'est okay. Pornique. C'est ça. Donc, ouais, non, ça, on oublie, on est d'accord? Oui, oui, oui. Aileron, je crois qu'il n'y avait rien. Bah, mettre un aileron sur ce alors, beau véhicule. J'ai un rayon, hein, mais le rayon, j'ai l'impression que ça change rien. Un quoi? J'ai un rayon, aileron, mais j'ai l'impression que ça change rien en fait. J'ai juste l'impression que ça rajoute une petite ligne au milieu, c'est tout. Ah bon? Ah oui, ah oui, 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 je, ouais, je voilà. Vois. Ah oui, pour avoir l'arrêt au cul, franchement, ouais, c'est voilà, pas la peine. On est d'accord. Ah bah oui. Tac. Du coup, on a dit qu'on partait sur la galerie, c'est ça? Oui, et puis le pare-choc. 401 plus, on a dit le pare-choc, c'était bien. 300 balles. 368. Alors, vous trouvez votre bonheur? Oui, oui, si on veut. Bah, j'ai toujours des modèles de bagnoles qui ne sont pas non plus flagada. Hein. Oh, ça. Ça vous fait un total de 760. Oui, eh ben, je ne mettrai pas plus. Là-dessus, oui, et eh ben je vais laisser John faire la facture et puis je vous installe tout ça. D'accord, alors on repart là-bas. Oui, t'as c'est dit là. Combien du coup? 769 avec enfin, pare-choc.
a plus beaucoup de sous. Mais enfin, on se fait plaisir. Bon, elle est orange dégueulasse, hein, évidemment. Hein. Mais ça fait un peu orange mécanique. Pam 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 pam. Allez. Bien le bonjour. Rebonjour. Ah oui, c'est vrai. Vous inquiétez pas. Alors, donc il a dit 769, hein, on est d'accord. Oui. Là, ça fait une grosse facture, hein. Eh, c'est vrai, mais vous avez toujours quand même les 50%, hein. Oh, ça, c'est bien, ça. Si tu as mon âge. D'accord, moi je sais pas du tout, on m'avait dit. Je vous conseille d'avoir mon âge et au moins vous serez tranquille. Allez-y, hop, tenez. Oh là, bon là, je vais vous faire un chèque, hein, parce que j'ai pas autant. Hein. Ouais, pas de problème. Alors. Tac. Et voilà. Super. C'est ok, ça. Ok, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Je vous remercie, monsieur Patou. Merci bien. Au moins, j'ai une voiture qui... Oh, c'est qui est là-bas? C'est le shérif et le docteur Valentin. Un visite du victime? Ouh, je me casse. J'ai bien fait de nous mettre le véhicule juste devant, du coup. Ah bah, il est parti. Il est parti. Ah oui, d'accord, il prend la voiture, il vous dit même pas merci, ni me au revoir, ni rien. Si, il est super, merci. Ah ouais, mais c'est pour ça que c'est vraiment une poche de glace, vie de victime. Ah, je me suis demandé, tiens, d'aller faire c'est quoi cette histoire de poche de glace. Bah, c'est son collègue qui a dit ça. Bah oui, mais pourquoi? Ah bah, je sais pas, il a dit que c'était une poche de glace. Je suis en train de chercher la raison qui pourrait dire que quelqu'un est une poche de glace. Et je vous, je vois pas quoi. Mais je crois que c'était lui qui était en schtroumpf. Il est une poche de glace, quoi. Et oui, mais je crois que c'était lui que j'ai vu tout à l'heure en schtroumpf. Ah. Oui, ça vous parle? D'accord, oui. Un peu mieux, oui. Ok. Oui. Et je lui demanderai quand même plus de précision. Ah, mais c'est Monsieur Marvel! Si. Alors, vous recommencez avec vous aussi, oui, vous? Ça m'arrive. Écoutez, hein. Monsieur Marvel! Bonsoir, Monsieur Patou. Oui, comment que ça va? Ça va très bien, et vous? Avez-vous trouvé une date? Une date de quoi? Oh, mais m'énervez-vous votre date! Et je... Alors, qui gère ça? Alors, est-ce qu'il en a trouvé une? Il m'a rien dit en tout cas, il aurait dû me rappeler s'il avait trouvé une date. Oui. Attendez que je regarde. Comment qu'on voit les appels manqués? Dans les appels? Simplement. Ah oui. Bon non, j'ai pas d'appel. J'ai des numéros, je devrais les appeler pour savoir qui c'est. C'est sûr que ce serait mieux. Oui. Attendez, je vais appeler ce numéro. Attendez, j'appelle un numéro CNE. Oui, CNE. Allô? Allô, monsieur CNE? Non, c'est monsieur Bassel. Ah, monsieur Bassin. Ah, ben c'est vous. Batou. Oui. Ah, ben. Oui, ça vous fait êtes. Longtemps. Oui, vous êtes en face. Oui. Vous raccrochez? Bah, je vais essayer. Hein. Ah, vous essayez? Oui. Je vous en prie. Allez-y. Je m'en occupe. Oui. Je vous en prie. C'est bon, là? Oui, c'est... tout va bien pour moi, oui, merci. Ça a raccroché, là. Ah non, pas du tout. Ah. J'aurais une crampe à la main. Monsieur Marvel, votre véhicule a besoin de quelque chose. Non, pas du tout. Vous êtes toujours là, monsieur Bassin? Mince, ça peut raccrocher. Je disais, je venais vous voir. Je suis. Monsieur attendez, je m'en occupe. Oui, je vous en prie. Oui, vous allez bien, monsieur Marvel? Je suis au téléphone, excusez-moi une minute.
Oui, il y a pas de souci, oui, il reste au téléphone. Oui, il doit s'en occuper. Vous allez bien, chef? Oui, ça va très bien. Impeccable, impeccable. Allô, téléphone à qui, monsieur Vassel? C'est monsieur Bazou qui m'a appelé. Ah oui, il va bien? Eh bien, écoutez, vous allez bien, monsieur Patou? Oui, je vais bien, et vous, monsieur Bassin? Non, c'est le chef qui m'a demandé si vous allez bien. Ah, oui, monsieur Marvel, vous allez bien? John, passe le bonjour de ma part à monsieur Patou. Monsieur Patou, vous avez le bonjour de Connor du garage. Ah oui, merci, je vais lui passer. Oui. Bonjour, ouais. Monsieur Connor, vous avez le bonjour de vous-même. Merci, merci. Je vous en prie. Le truc est probable. Vous avez trouvé un chouette pantalon, monsieur Patou, encore une fois. Vous êtes... Ah oui. Chérif, a priori, vise un joli pantalon. Ah oui, oui, ben, remerciez-le. Oui, monsieur Marvel, oui. Oui, j'ai été acheter ça il n'y a pas longtemps. Vous voulez que je vous habille, d'ailleurs? Oui, c'est attendez, mode, vous en occupez ou pas, monsieur Bassin? Parce que là, j'arrive plus. Oui, je raccroche. Ah oui, d'accord. Oui, donc je disais, monsieur Marvel, si vous voulez que je vous aide à... Ah, monsieur raccroché! Ah ben mince. Ça marche mal, c'est le téléphone. Faut rappeler, là, hein. Raccrocher comme ça, quand allô? Monsieur Bassin, vous avez raccroché? Ah ben non, c'est vous qui avez raccroché. Ah non, pas du tout. Ah, ça a dû glisser. Ah bon? C'est-à-dire? Ouais, ouais. Bah, c'est le réseau, ça glisse. Oui, c'est-à-dire? Vous pouvez développer? Je suis pas sûr. Vous êtes pas sûr que ça glisse? Ça m'intrigue aussi. Ah, faudrait demander à monsieur Vidilitim. Il a des mais poches de glace. Appelez donc. Oui, monsieur Connor. Monsieur Bassin? Non, je vais vous laisser. Monsieur Connor va appeler monsieur Vividitim. D'accord, pas de problème. Mais je suis pas sûr. Oui. Qu'il est... Monsieur Vividitim. Attendez, oui. Hein, vous allez avoir la réponse. J'appelle de la part de monsieur Patou. Je dois savoir pourquoi ça glisse sur le réseau. Ah, bah, il m'a raccroché au nez. Il t'a raccroché au nez. Ah, monsieur Bassin? Monsieur Vidilitim m'a raccroché au nez. Il vous a raccroché au nez? Non, il a raccroché au nez à monsieur Connard. Connard, t'as le... Monsieur Vidilitim qui a raccroché. Ouais, Ah oui, effectivement, il a bien raccroché. Ah, oui. Vous avez bien raccroché? Il m'a raccroché au nez. Je suis pas une fois de raccrocher, moi. Ah non, c'est qui l'a raccroché au nez? Ah, lui a raccroché au nez. Oui. Il t'a raccroché au nez? Ah, monsieur Vidilitim, oui, il m'a raccroché. Ah oui, il lui a raccroché au nez. Oui. On va continuer longtemps, ce petit jeu? Alors, à un moment donné... Ah, tiens. Oui. Ah. Il y a monsieur Vidétine qui rappelle monsieur Connard. Connard, il est en train de te rappeler. Je vais vite quand même. Oui. Je pense que c'est important. Je pars monsieur Connard. Ouais, je vais partir maintenant. Connard, monsieur Patou qui t'appelle. Oui, monsieur donc, Connard. Je serai là dans 5 minutes. Ah, il t'a raccroché. Il m'a raccroché. Il lui a encore raccroché. Il est vraiment pas content. Hein. Ah oui, il est vraiment pas content. Mais c'est une poche de glace. Ça, je vais lui poser des questions après. Là. Oui. Faut peut-être faire attention avec le soleil quand même. Pourquoi ça? Bah, la glace et la chaleur. Ah oui. Mmh. Bah, ça dépend du parfum. C'est vrai que... Bah, vanille, chocolat, fraise, enfin, ça va dépendre. Oui, oui. Je crois qu'il y a un truc comme quoi le chocolat fond plus vite que la fraise. Je sais pas, je peux essayer. Ça va, non? Ouais. Tu devrais... Je vais y aller, j'ai un rendez-vous avec monsieur... Oui, putain, parce que t'es en train de t'étouffer, c'est ça? Ouais. Non, mais j'ai rendez-vous avec monsieur Vidilitim, donc j'y arrive maintenant. D'accord. Donc, je vais vous laisser. Oui, bah écoute. Je vais changer. Et puis, Monsieur Patou. Oui. J'espère que vous êtes content de votre achat. Hein. Oui, voilà. Oui, tout va bien. Hein. Oui, ma voiture est. Oui, ça va. Impeccable. Ah, vous recommencez avec vous aussi, oui. Eh bah, tant mieux, écoutez, je suis attendez, monsieur Bassin, attendez une petite minute, je suis avec monsieur Connard. Oui, pas de problème, je oui. Donc, ouais. Oui, je suis content. Eh bah, tant mieux, écoutez. Je vous laisse ça, du coup. Oui, merci. Je vous laisse entre les mains de monsieur Bassin. Oui.
Bastel, s'il vous plaît, tu vas faire. Ah, il a fait un raid, 1P. Salut, 1P. Merci pour le raid. Oui. Oui. Non. Oui. T'es là ? Oui. Non, c'est monsieur Patou que vous avez, monsieur Bassin. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur Patou. Oui, je vous en prie. J'ai monsieur Connor à côté. Oui, ben oui, moi aussi. Est-ce qu'il paraît ? Il paraît quoi ? C'est débile. Oh là là. Ouais. Ah. Je vous laisse, moi. J'ai rendez-vous. Oui, t'es sûr ? Au cas où. Hein. Vous avez rendez-vous. Monsieur Bassin, vous direz à monsieur Bassin que j'ai rendez-vous. Je sais pas si je vous dirai à monsieur Bassin que j'ai rendez-vous. Oui, d'accord. Il y a monsieur Connor qui a rendez-vous. Oui, d'accord, monsieur Bassin. Monsieur Connor a un rendez-vous. D'accord. Avec je sais pas qui. Je ne veux pas. Ah ben je vous en prie. Bon. Sinon ça va ? Oui, oui, ça va, très content. D'accord. Oui. Vous avez besoin de quelque chose sur la voiture ? Non, tout est bon, tout est mis dessus. Alors attendez, monsieur Patou, je demande à monsieur Patou s'il a besoin de quelque chose sur la voiture. J'y ai pensé ce soir, en effet. C'est gentil. C'est quoi ? Monsieur Connor ? Oui. Je sais pas, monsieur Bassin me parlait, ou je sais plus. Ou c'est vous qui m'avez parlé. Je vais demander si vous avez besoin de quelque chose sur la voiture. Ah, non, j'ai... monsieur Bassin ? Oui. Non, c'est bon, moi, pour la voiture. Ok, parfait. Oui. Non, monsieur Connor, je lui ai dit que non, c'est tout était bon. Ah oui, on l'a réparé. D'accord. Donc, tout a été fait sur la voiture de monsieur Patou, c'est bon ? Oui, tout est nickel. Ok. Oui. C'est parfait, alors. Impeccable. Bon, allez, on va pouvoir se laisser, alors, monsieur Patou. Oui, bien sûr. Je vous laisse raccrocher. Très bien, je m'occupe. Oui, je vous en prie. Bon, du coup, vous avez rendez-vous, monsieur Connor ? Oui, c'est avec M. Valentine. Ah, ça a raccroché. Ça a raccroché. Donc du coup, je vous laisse. Oui. Et allez. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur Patou. Oui, merci. Et bah, John, peut-être à plus tard. Je suis pas sûr. D'accord. Ah bah. Ben, écoute, je te dis bonne soirée. Vous êtes pas sûr de... De faire long feu. Ah, vous êtes pompier ? Non. Ah. Moi, je suis bien. Mais j'ai une grande lance. Ah bah oui, j'imagine. Pourquoi il est parti ? Je sais pas pourquoi. En tout cas, ça lui a donné un petit effet, votre lance. C'est vrai ? Ah oui. Il roule vite d'ailleurs avec sa voiture. Bon, je vais aller voir si monsieur Karn a été au château. Oui, je pense que d'ici là, c'est du... Oui, et merci pour votre poire. Eh bien, avec grand plaisir. Je m'en souviendrai. J'en doute pas. Oui. Et puis, merci pour la réparation. Non, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas si vous avez besoin. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Le petit moment débile. Mais c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Ah bah le clignotant marche. Allons bon. Allons voir si monsieur Karl est dans le coin. Elle est bien avec la galerie, je trouve, moi. Par contre... Elle speed, hein, cette bagnole. Ça va trop vite pour monsieur Patou. C'est qui est là ? Qui est tout le monde là ? Ah ben non, c'est fermé. Parce que là, les gens sont arrivés. Yubi ! Ah, coucou, Yubi ! Yubi ! Ubi queer. Je vais appeler monsieur... Monsieur Karl. Oui, monsieur Karl. Oui.
Vous avez toujours un zéro? Disons qu'on essaye de passer à Bouzel. À quoi? Non, à Bouzel. On fait des allers-retours pour faire les stops, monsieur Patrou. On a quasiment terminé. Ah oui, vous voulez un coup de main? Non, c'est bon, on est sur le dernier trajet. Parce que j'ai une voiture, bon. Hein. Ah oui, je sais. Vous ne faites pas, nous, on gonfle tout dans un van. À vous gonfler? Normalement, oui, on met... Normalement, d'ici 10 quart d'heure, on ouvre. Oui, vous faites bien le gonflement, par contre, hein. Oui, oui, je vous remercie. Oui, ouais, je vous entends bien, oui. Ouais, ça ouais, gonfle. Ouais, ouais, ouais. Allez, à tout à l'heure, monsieur Patrou. Oui, j'attends. Oh, on va attendre. On va s'asseoir là, hein, comme pratiquement comme hier en fait. Hein. Donc on a fait quand même des choses intéressantes, ou pas du tout. On n'a pas avancé beaucoup. Bon, par contre, Monsieur Vidilitim, là, il est un peu méchant. Hein. Mais bon, si c'est un problème, c'est pas le mien. Il m'a facturé 60 balles, son collègue. Est-ce que j'ai des factures de la médecine? Un PSS, 300 balles. J'ai pas 300 balles. 60 balles. Petit soin. Alors, petit soin, non, non, non. Moi, pour moi, petit soin... Qu'est-ce qu'il a fait, petit soin? Hein? Je connais pas. C'est plus intéressant les achats à la CC. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est plus intéressant. Attendez, on va se mettre une petite musique, genre on va attendre, quoi, tranquille. Nous allons attendre Monsieur Karl Huber. Nous attendons gaiement. Je me suis pas un peu mal garé? Je prends pas trop de place. Il y a de la place à côté. Oh my god. Mais c'est un bon joueur, Mister Bassin, là, Monsieur Bassin. Moins coûteux. Tip top. Non tip top. Non tip top. Non tip top quoi? Le stationnement. Ah! Ah bah oui! À côté du poteau. Attention, il y a le poteau pour marcher à côté. Ça veut dire que là, normalement, quelqu'un doit marcher à droite. Il fait le signe. Et il fait ça. Donc, si il y a un shérif qui arrive, je suis garé, attention, à côté du panneau. Ah bah oui. J'ai un côté rocker. Un côté motard. Bon, un peu motard. je prévois une scène, une tenue de scène. Parce qu'il faut que je fasse mon boubou show. N'empêche, je suis en train d'écrire un wouhou show, hein, s'il vous plaît. La PPF va débarquer et boum, la voiture. Comme dans 99 des cas. Non, 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 non. La PPF, elle reste où elle est, hein. Ils nous font chier. Ah, la shérif. Mais ça roule moins, je trouve, par contre, sur les routes. C'est bien, hein, aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Nous avons la publicité du chicken poulet, là. Du poulet, chicken, du poulet tout court. Bon, ben voilà. On repart, hein. On attend. En attendant, nous pouvons raconter une belle histoire. On s'installe. On est à l'ombre. On n'est pas trop... voilà. On est bien.
On est tranquille. Je fume pas, donc je pourrais pas m'allumer de cigarette. Bah si, moi je fume, mais pas tout. Évidemment. Mais tout va bien. Pam pam. Pam. Alors j'ai des numéros, je sais pas qui c'est. Donc lui, c'est Monsieur Bassin. Alors attendez, vous notez 354 07 93. C'est Monsieur Bassin. Nouveau contact. Merde, c'est pas ça. J'ai toujours du mal avec ce téléphone. Nouveau contact. Monsieur Bassin. On a dit combien ? 354, merci. 07 93. Heureusement que vous êtes là, hein. Je me sortirai pas. Monsieur Bassin. Donc. Merde, comment on fait ? Là. Monsieur Bassin, voilà. Et alors, ce numéro, c'est qui ? On va appeler, hein. Je sais pas qui c'est. Ça répond pas. Je connais pas. Donc ensuite, on a celui-ci, 0627. C'est pas le médecin Alex ? Je sais pas. Aucune idée. Lieutenant Legal, j'écoute. Ah oui, bonjour, monsieur de... Shérif, c'est ça ? Ah oui, je me disais, c'est à qui appartenait ce numéro. Très bien. Voilà. Ben, merci, vous m'avez répondu, du coup. C'est bien, gentil. Merci bien. Vous allez bien ? Oui, oui, ça va très bien, oui. Oui, je vous dérange pas ? Absolument pas, vous m'appelez juste pour ça ? Ben, c'est-à-dire que j'avais un numéro qui se traînait sur le numéro de mon téléphone, donc je voulais savoir qui m'avait appelé. Parce que j'avais pas le numéro. Autrement, je compose pas le numéro. Vous voyez bien oui, c'est vous qui m'avez appelé. Donc je voulais savoir si c'était vous, mais comme je vous avais pas enregistré. Donc comme ça, maintenant, je vais pouvoir vous enregistrer. C'est bien 02809, hein. Oui, c'est ça, oui. Ah, et puis 0627. Oui, c'est celui-là. Ah, voilà. Donc, voilà. Vous avez retrouvé une date, d'ailleurs ? En parlant de ça. On n'a toujours pas calé de date, monsieur Bateau. Ah, oui. On va envoyer un message, vous aurez donné une lettre. Oui, mais heureusement, j'ai bien fait de vous appeler, parce que autrement, j'aurais reçu un message et j'aurais pas su qui c'était. Oui, en effet, oui. Enfin, de toute façon, normalement, ça aurait été précisé qui vous envoie le message. Ah bon ? Quand c'est un agent du bureau du chef qui envoie un message à oui. Un civil comme vous, nous précisons à chaque fois quel agent vous envoie le message. Ah oui, c'est mieux. Et oui, en effet, oui, c'est mieux. Oui, effectivement. Bon, si c'est tout, monsieur Patou, je vous souhaite une bonne soirée. Il fait jour, donc bonne journée, oui. Oui, peut-être, vous savez, moi je passe tellement de temps dans mon bureau que je vois même plus l'heure d'affilée. Oh, bah non, bah faut s'aérer un peu la tête. Le bar va ouvrir. J'ouvre la fenêtre. Ah oui, vous ouvrez la fenêtre, c'est mieux. Oui, ça m'aère la tête. Mais bon, du coup, vous voyez qu'il fasse jour. Oui. Vous raccrochez ? Oui, je vais raccrocher. Au revoir. Ah oui, merci. Au revoir, monsieur Le Gala. Oui, c'est ça, shérif. Non, shérif Le Gala ? Oui. Oui, mais vous êtes pas sûr, du coup. Si, c'est shérif, lieutenant Le Gala. Ah bon ? Vous êtes lieutenant aussi ? Vous avez deux métiers ? Non, je suis shérif, et mon grade au bureau du shérif est lieutenant. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas tout saisi. C'est pas grave, appelez-moi juste lieutenant ou alors shérif, ça ira très bien. Ah oui, du coup ça ira très bien. Oui. Bien. Au revoir, monsieur Patou. Oui, au revoir, monsieur, ça ira très bien, du coup. Oui. Marie Croce. Il est très heureux, le gars. Oui, en fait, tout le monde, malheureusement, monsieur Patou, il n'est pas si aimé que ça. Hein. Alors, 809, 0. C'est triste, hein. Alors, shérif. Attends, on va faire comme ça. On va l'écrire comme ça. Shérif.
Non, attends, chérie. Lieu. Lieu tenant. Voilà, tenant. Hop, et donc on a dit 809. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Makina. Ah bon, c'est la première fois. Un homme si adorable, tout le monde l'aime, ce monsieur Patou. Mais non, 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 mais il est pas si aimé que ça, hein, vous croyez pas, mais en fait, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde en a ras le bol, en fait. Il se fait virer. Je ne vois pas de quoi pourquoi tu dis ça. Mais non, mais en fait, il se fait virer par tout le monde. C'est un pauvre petit monsieur, hein, malheureusement, et les gens sont... En fait, vous vous rendez pas compte, et je crois qu'il y a des gens qui se rendent pas compte, mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu, hein. Après, c'est mon personnage qui est comme ça. Mais les gens, ils se rendent pas compte que, en fait, c'est blessant. Quand il se fait raccrocher au nez, ou quand il se fait virer sans aucune raison et tout ça. Je suis arrivé avec le raid d'Imperial. Ah ! Ah bah bienvenue. Bienvenue chez Patou. Donc c'est vachement dur. Hein. Le 555, je sais pas qui c'est. J'ai des numéros, je ne sais pas qui c'est. Vili Mini, voilà. 55. J'appelle. En attendant, il met du temps quand même, monsieur Karl. Voyez de l'eau. Oui. C'est pas tout. Oui, c'est qui, monsieur Knou? Non. Ah. J'attends monsieur Karl, et du coup, en attendant, si vous voulez, je vous connais pas, eh ben du coup, j'appelle les numéros qui m'ont appelé. Comme ça, ben, j'enregistre, enfin, j'essaye. Donc, vous êtes qui? Ah, monsieur Caméléon. Ah, monsieur Caméléon. Oui. Ah, vous allez au bar? Oui. Oui, ça peut être vous. Oui, ça va bien, oui. C'était juste pour rendre heureux, ça, tu sais pas tout. Oui, d'accord. Je vous laisse, alors. Vous raccrochez? Oui. Ah oui. Allez, hop. Alors, on a dit que c'était... vous avez noté, du coup? Ouais, merci, El Crico. Attendez, je vous ai pas lu. Nous, on l'aime bien, monsieur Patou. Il s'entend bien avec le petit frère. Ouais. Je trouve qu'il serait très adorable avec un canon de désert aigle dans la bouche, mais il reste adorable. Ouais. En vrai, en tant que joueur, que l'aime beaucoup. Hein, j'ai pas compris. Il est tard. il est tard. Non, mais vous avez vu comment je me fais raccrocher? Enfin, bon, après, c'est comme ça. Mais c'est... en fait, c'est triste, hein, quand on y pense. Bon, si on met la musique, là, on est dedans. Hein. Oh, je me sens seul. Les gens me raccrochent au nez. Peu beaucoup de gens me confient des choses. Pourtant, moi, j'ai un grand secret. Ils aillent se faire foutre. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, si je fais ça, c'est quoi? D'accord. Monsieur Caméléon. Caméléon. Donc on a dit 55, 26, 20. Hop. Bon. Eh ben, moi, on fait le point sur les numéros. Je l'aime beaucoup, pardon. Ah oui, 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 oui. Un jour il va mourir, hein, parce que au bout d'un moment, si il se retrouve toujours tout seul, ou si toutefois on ne sait pas ce qui peut lui arriver, parce qu'il a toujours un conflit avec la feu, il sera peut-être mort, on ne sait pas. Au moins il emmerdera plus tout le monde. C'est triste à dire. Quelle vie de chien! Il doit venir cueillir des oranges. Non, j'ai mal au dos. C'est pas que je veux pas travailler. Mais c'est que j'ai mal au dos. Je vais crever de faim, moi. Ah ben, je vais mettre les batteries, tiens. Dans le coffre de la voiture.
C'est malheureux quand même. Eh ben, il conduira le tracteur. Oui, oui, c'est déjà ça. Ah, vous avez des tracteurs? Ça, c'est bien, ça. Alors. Hop, on va mettre ça dans le coffre. Je vais rebrouiller ça. Ça, on va mettre dans le coffre. Oh, j'ai un verre de lait, moi. Attends, je vais prendre 5. Tac. Un verre de lait, on le met là. Et voilà. Bien. Même pas. Il est quand même un trésor d'histoire pour l'île. Ce serait dommage. Ben oui. Mais oui, 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 oui. Malheureusement, oui. C'est moi qui dois porter mes frères. Ah merde! Comment que tu fais? En vrai, Patou doit être fun à jouer. Bah, oui, oui, c'est pas mal à jouer. Mais par moments, ça peut être dur pour le personnage, en fait. Parce que au final, tu vois, regarde, il se retrouve à attendre. Il pourrait faire autre chose, en général. C'est quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Nous sommes ouverts dans exactement 2 minutes. Oui. Mais j'attends. Ah, mais vous êtes devant le bar? Ah ben oui, j'attends depuis tout à l'heure. Je me suis bien lombre parce que j'ai peur du soleil. Ah oui, oui, d'accord. Bon, mais écoutez, y a pas de soucis, mais on arrive. Oui, oui, ben... Je suis à côté, hein. Oui, ben j'imagine. Vous regardez? C'est... Oui, c'est plaisant à faire, pas tout. Mais j'ai toujours fait le petit vieux. Je n'ai jamais donné encore la mort de mes personnages. Je n'ai jamais donné la mort d'un de mes personnages. Je n'ai pas fait, parce que... je pense que je le ferai même pas en cam. Tellement que ça me ferait mal de les tuer. Mais un jour on le fera, hein. Parce qu'il faudra créer le truc, quoi. En vrai, c'est cool, les personnages atypiques, mais c'est un risque. Les gens aiment ou les aiment pas. C'est ça. Ça, c'est le plus gros risque. En fait, c'est le personnage attachant, quoi, en fait, en gros. Et ça, c'est des jeux dangereux, hein. Enfin, après, faut savoir le doser, quoi. Donc on attend. Après, évidemment, c'est des moments comiques, mais il y a des moments comiques, mais qui peuvent être aussi des moments importants. Mais ça, les gens ne savent pas l'utiliser. Moi, je sais le faire passer dans un autre mood, dans un autre... Mais je peux pas le faire, j'ai pas la réception devant moi, donc... En fait, il manque une terrasse devant, hein. Une petite terrasse, avec des petites dames et tout. Je suis assez sûr que Valentine s'est bien douté de la tristesse de Pato. Tuer un perso, c'est toujours dur, en effet. C'est pour ça que j'ai très peur d'aller à certains endroits, car tuer Patrick serait très compliqué. Ouais. Entrez, monsieur Patrick, entrez. Ah oui? Je vous offre un brook orange pour l'attendre. Ah, c'est gentil. Mais j'ai pas vraiment soif. Ah, un sandwich. Oui, plutôt. Monsieur Caméléon est pas dans le coin? Monsieur Corleone, je crois qu'il est allé au garage. Ah. Il y a un moment déjà que je l'ai croisé. Ah oui. Vous entendez des cris? Ah, il a le... La tenue... Mais oui, tu es un personnage, c'est... Surtout que quand tu t'investis dans le personnage et que tu avances avec le personnage... En fait, c'est pour ça que... On discutait tout à l'heure... Je discutais avec un joueur en Vovo, tout à l'heure, avant de streamer tout ça. Et il avait raison sur ce côté-là. Sur Afterbrook, quand on a un personnage, on tient son personnage.
on le tient, on voudrait pas le tuer. En fait, on se rend compte que tous les joueurs de After ont un personnage, mais ils veulent pas le tuer. Ils veulent résister ou le tenir en vie, parce que finalement, sur d'autres serveurs, t'es mort, tu dis que tu changes de personnage, tu demandes un reroll, pas sur tous les serveurs, hein, mais la plupart. Et c'est vrai que sur Afterbrook, en tout cas, tous les gens souhaitent garder leur personnage et le faire évoluer, et c'est le plus important. En même temps, c'est un investissement que tu te donnes perso, quoi, en gros. Donc, ça va de soi. J'ai envie de dire. Il y a une salle de torture derrière ? Je me demande, oui. Je sais pas trop. Il devient une part de nous d'ici, ici. Ben, c'est ça, hein. C'est ça. Il fait partie de ton truc. Sur Afterbrook, les persos ont un gros passif et une histoire qui s'enrichit tout le temps. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont les personnages, au départ, quand on leur fait pause, on fait pause blabla, hein, ils vont se poser des questions, mais bon. En gros, c'est vrai que quand tu crées ton personnage, t'as un background, tout ça, et je le dis toujours, moi, votre background de votre personnage, de toute façon, faut pas le pousser non plus trop loin. Enfin, il a son caractère, il a toute sa direction, entre autres, ses envies ou ses projets futurs, ou peu importe. Mais en tout cas, dans After, quand il va arriver, il va voir son histoire, mais au final, il a décidé de faire de l'illégal ou pas de l'illégal, t'as ça dans ta tête, mais en fait, c'est même pas la peine de se mettre ça dans la tête, parce que soit ça va se présenter à toi, ou pas du tout. Et puis après, il va avancer, son background va avancer avec le Afterbrook. Parce que Afterbrook prend toutes les histoires de tous les personnages. Donc Afterbrook avance dans son histoire avec les personnages qui arrivent au fur et à mesure. Et du coup, ça gonfle. Première fois sur Afterbrook que je change de perso en 5 ans. Ouais. Ah oui, parce que tu faisais pas ce genre de personnage, Topper, toi. Mais c'est vachement intéressant. Mais ouais, je vous dis que... Ok, parce que c'est vrai que je pourrais, me give tout un tas de choses, etc. Non, moi, je suis en galère. Je suis un joueur comme vous, en fait. Je suis en galère totale. J'ai pas de thunes, j'ai rien. Les voitures anciennes par rapport à l'histoire de Patou. Mais c'est tout, je suis en galère totale. Mais en galère. Mais c'est plaisant, hein, c'est de jouer le... Je suis pas encore Clodo. Peut-être que Patou deviendra Clodo. Qui sait? Ah, bonjour, monsieur Bernard. Vous allez bien? Eh bien, vous avez changé de veste. Ah oui, oui, je l'ai fait plutôt motaroc. Ouais, le pantalon aussi. Oui, le pantalon, oui. Ça m'appelle... Ah, monsieur Caméléon, c'est sa tournée. Oui, c'est ça. Ah, c'est impeccable, ça. Ah, bah, vous tombez bien, monsieur Caméléon. Vous avez bon, parce que je comptais y aller, en plus. Allez, où ça? On est rentré chez moi. Ah bon? Dormir. Ah oui, vous êtes fatigué? Oui, voilà. Vous avez toujours une ressource? Je la cherche encore, ma source. Ah, faut prendre des baguettes. Mmh. Ils en ont peut-être remarqué. Vous en avez, monsieur Karl? De quoi? Des baguettes. Non, faut demander à Chine. Avec vos brochettes, vous avez brûlé des baguettes, non? Ben, en fait, c'est des baguettes. Oui, ben... C'est des baguettes en métal, quoi. Ah oui. Ben, ça marche pareil, hein, monsieur Caméléon. Avec des baguettes, vous arriverez à trouver des ressources. Ouais, c'est vrai. Avez-vous un petit truc à manger? Oui, je suis en train de faire des sandwichs au saucisson, monsieur Patou. Ah. Oh, j'aurais voulu du poulet. Au poulet, je m'en occupe juste après. Ah, oui. Sandwich au poulet, yakitori. Non, j'ai pas envie de rire, merci, monsieur Bernard. D'accord, très bien, très bien. Et des yakis, peut-être. Yakis. Si, il y a monsieur Caméléon. Des brochettes. Ouais, hein. Des brochettes. Des brochettes, ouais, des brochettes. T'as raison. Des brochettes japonaises. Oui. Ah, oui.
Vous êtes japonais, monsieur Caméléon? Non. Ah ouais, me disais bien. Non, parce qu'il a besoin de se ressourcer. Ah. On connaît une fille qui fait ça. Il essaie de trouver son chemin. Ah bah ça. Attendez, je vais vous lire. Ah, comment ça va pour vous, monsieur Patou? Bon, vous savez, monsieur Bernard, la routine. Bon, c'est pas plus mal, au moins. Dans la routine, il n'y a pas forcément de mauvaises nouvelles. Oh, la routine est un danger. Ah oui? Ah oui. Parce que quand on est en pleine routine, on baisse sa garde, c'est ça? En général, oui. On fait jamais attention à ce qui se passe autour, après. Mmh. On prend toujours le même chemin, on est toujours droit, et puis voilà. Et puis un jour, paf, le fossé. Le fossé ou peut-être une flèche, une balle perdue ou un truc comme ça, oui. Ah, une flèche. Vous êtes fait tirer dessus? Non, pas du tout. Oh. Je sais pas, vous avez dit une balle perdue. Oui, non, mais c'est plutôt tout un tas de choses. Je veux dire, c'est un exemple. Une balle perdue, elle est pas forcément pour tout le monde. Oui. On la retrouve bien. Carl. Alors, je vous lis. C'est là où je me dis qu'avoir fait un perso avec une personnalité proche de la mienne était peut-être pas une bonne idée, car si je perds le perso, ça va être horrible. Et c'est vrai, After qui fait ça. Ah, d'accord. Et c'est After qui fait ça, car ailleurs, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Ouais, ben ouais. Première fois en 5 ans où j'ai un petit frère neuneu dont je dois m'occuper, surveiller et gronder. Que c'est mignon, oui. Oh, que c'est mignon. Je vais faire un tour aux poubelles. Il faut que je vous croise en RP car j'ai entendu parler de vous et ça doit être drôle à voir. Ah oui, non. Honnêtement, tu peux les garder. Les frères Jackson. T'es pas prêt, non. Je crois que t'es pas prêt. Hop. Et puis même, il y a des personnages, en fait, qui y a pas de poubelle, qui évoluent vraiment. Tu sors et t'as pas d'un coin juste là-bas. Ah, oui. Okay. Monsieur Patou, je m'occupe de faire vos sandwichs aux saucissons. Oui, j'ai le ventre qui gargouille. Oui. J'essaie d'envoyer une pub, mais ça marche pas. Ah bon? Tant pis, on s'en tranquille. Ça dit, c'est quand... C'est quand on envoie pas de message qu'il y a du monde. Ah oui. Moi j'appelle, oui, c'est plus simple. Ah bah vous avez raison. Oui, c'est pas faux. Jean Dumont est mon exemple pour ça. C'est celui que je côtoie le plus, donc ça aide. De quoi? Attends, j'ai pas saisi. Ah oui, c'est pas faux. Bah alors, le business, ça marche? Oui, ça marche très bien, ça marche très bien. Et vous? Oh, non. J'ai Lulu, comment ça se passe? Non, c'est... vous savez, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Ah. Je suis toujours à droite, à gauche, jamais au centre. D'accord. Au terme d'évolution de personne? Ouais. Diversifier votre business, ce jeu. Non, j'ai pas trop le... j'ai pas le temps. Ah, je comprends. Bah, et tout oui, est congelé. Vous devez vous entraîner pour... Monsieur Patou, je crois qu'il y a le shérif qui est en train de vous foutre un manche. Un quoi? Une amende. Oui, regardez. Ouais, vous êtes bien en train de vous faire... amender. La pervenche est en train de vous amender, regardez. Bah, elle est bien garée. Peut-être à leur voie, par exemple. Non, bah justement, je me suis mis à côté du poteau. Le poteau dit qu'il y a des piétons à côté. Donc je laisse à côté. On va vite le savoir. Bien le bonsoir, messieurs. Ah, bonsoir. Bonsoir, chef. À qui est le véhicule orange garé devant? C'est bien, pourquoi? Bah, vous le connaissez. Oui, enfin bon, des véhicules orange, j'en vois beaucoup, monsieur Patou. Ah oui, des comme ça? Je suis pas sûr. Je sais pas non plus, enfin je fais pas très gaffe. Monsieur Patou, est-ce que vous pouvez garer votre véhicule? Oui, non, est-ce que vous pouvez garer votre véhicule sur le parking, s'il vous plaît? Mais il est sur le parking? Non, là, il est un peu au milieu. Ah non, je me suis mis à côté du bateau où il y a le bonhomme.
C'est Oui, pour le le piéton. bonhomme pour les piétons, ouais, justement. Et sauf que c'est un véhicule que vous avez, c'est pas. Enfin bon, vous pouvez le garer sur le parking, s'il vous plaît? Mais il est sur le parking. Non, il n'est pas sur le parking, monsieur Patou. Mais c'est bien un parking qui est devant. Oups, monsieur Patou, venez avec moi. Oui. Incroyable. C'est un parking devant. Je suis pas en merde, un parking. Là, c'est bien un parking. Vous allez me faire croire que là vous êtes bien garé, c'est ça? Ouais, je me suis mis à côté du poteau. Oui, à côté du poteau, d'accord, oui. Vous allez me faire croire que vous êtes bien garé. Bah oui, les gens peuvent passer à côté. Oui, sauf que c'est censé être, on va dire, une double voie, si on peut le dire. Et là, vous Une êtes un petit double peu. voie ici. Oui. Bah, il n'y a pas de trait sur le milieu de la route. Non, et alors, monsieur Patou? Hein? Bon, monsieur Patou, c'est simple, en fait, le parking est juste un petit peu plus loin. Vous pouvez garer votre véhicule plus loin, c'est Ah pas non, grave je me si vous suis faites un petit toujours. peu de marche. Ah bah si. Je suis épuisé. Il y a des places handicapées? Pour le coup, pour moi, c'est ni une route et vous êtes pas bien garé quand même. Pour moi, personne n'a raison. Je suis d'accord pour le fait que ça ne soit pas une route, oui. Non, Ah non. c'est plus pour les. C'est plus pour les arrières d'entrepôt. Oui, voilà. Les parkings Ouais. des usagers, quoi. Et comme il dit, monsieur l'agent, c'est plus une voie. Faire attention aux piétons, quoi. Ben oui, c'est pour ça que je me suis mis à côté du poteau, Ah, pour oula, laisser passer les piétons à côté. oui, enfin bon. Si vous voulez Regardez vraiment faire. là. A... Oui, mais si vous voulez vraiment faire attention aux piétons, vous vous garez sur un parking réservé pour les véhicules. Oui, et ben je vais me mettre là, comme d'habitude. Allez-y. Oh, pas possible ça. Ouais, c'est bien ce que je t'en ai pensé. Oui. Là. Voilà. Mais sauf que maintenant, le piéton, il est obligé de faire le tour. Et quand on regarde le panneau, le piéton, il dit, c'est par là. Et donc, on est obligé de passer par là. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un parking juste un petit peu plus loin, monsieur Patou. Ah, ben là aussi, c'est un parking. Non, ça, c'est pas un parking, monsieur Patou. Ben, j'ai toujours garé mes voitures là. Mais bah, Ça peut-être fait que des années. qu'est-ce qui se passe encore? Ah, j'en sais rien. Le véhicule était mal garé. Oh, Bah, il est tu... toujours mal garé. Oui, ben, Oui, il est à toujours quelques mal garé. centimètres, là, hein, c'était là. Ça va. Bah, à quelques mètres, on va dire, oui. Ah non, Comme c'est je l'ai trop dit, loin, monsieur là-bas. Patou. Et bah, c'est pas mon problème, monsieur Patou, si le parking est là-bas. Mais non, c'est un parking, là, aussi. Je me C'est suis une double toujours garé. livraison, monsieur Patou. Mais vous Voyez m'emmerdez. bien, il y a des grosses portes pour que pour les dépôts. Vous, Oui, c'est une j'avais double passé à livraison. côté. Mais vous êtes sérieux, là? Oui, ben oui. Mais vous avez juste que mettre à faire. Mais vous avez vu la longueur que ça fait? Je me suis toujours garé là. Et Ou vous alors, voulez. je me Oui. garais là-bas. Alors, c'est trop loin déjà. Là, en plus, ça tape en plein soleil. Donc, vous trouvez que la marche à pied est trop longue, c'est ça? Oui. Et en même temps, Ouais. je me Et gare vous voulez là faire un tout le temps stage au depuis bureau du shérif, des c'est années. ça? Y'a quoi? Vous voulez faire un stage au bureau du shérif alors que vous trouvez que, allez, je dirais une trentaine de mètres, c'est beaucoup. Ben oui. Je pense que votre stage sera compliqué, monsieur Bateau, si vous trouvez que 30 mètres, c'est beaucoup. Ben, vous avez pas trouvé de date. Monsieur Bateau? J'ai pas le temps, je dois manger. Demain, on va découvrir un parking. Grave! Grave, demain, je te fais un parking! Monsieur Batou, je vous ai pas demandé de partir, j'ai pas fini avec vous. Monsieur shérif, le tenant, je dois manger vraiment. Donc, j'attends mon sandwich. Tenez, monsieur Batou, il est tout Merci. frais. Parce que je vais tomber dans les pommes. Fait avec amour. Merci. Un petit bon Je vais courant, il peut crever. m'accompagner? Ah! C'est un délice. Non, je Oh. Oh, suis pas tout. je reprendrai bien un autre. Ah, oh, ben, attendez, ben, On est bien. Profitez-en, vous n'allez pas beaucoup manger où vous allez aller, monsieur Patou. Ah, bah vous m'emmerdez alors, hein. Là, on est dans l'orgasme culinaire. On a compris qu'on vous emmerdait, ça, monsieur Patou, ça, on l'a bien noté, oui. Ah oui. C'est bon, il n'y a pas d'ambiance. Hein. Ah! Si, il y a de l'ambiance, mais bon, c'est pas là. Bon. C'est Monsieur, vous électrique. voulez quelque chose? Oh! C'est bon ça. Je vais vous prendre une petite bière, s'il vous plaît. En plus, c'est frais là. Enfin, une iguane, pardon. Oh là là là. Très bien, ça marche. Bernard, Ah! c'est toujours ma tournée. Chef, quelle heure? C'est toujours ta tournée? Bon, bah, très bien. Bah ouais.
Une salade et un verre d'eau, s'il vous plaît. C'est parti. Du coup, combien que je te dois, monsieur Karl? Excuse-moi. Zéro, c'est pour moi, c'est pas tout. Ah oui, 50 dollars. Ah, oh, c'est gentil. Au moins, vous pensez à ma petite retraite. Mais... J'ai peut-être pris un peu de J'ai plus beaucoup de sous. Non, vous inquiétez pas. Alors, je suis pas trop inquiet. Mais du moins que c'est moi qui paye. C'est pas papier, ok. Bah oui. Mais grave, demain, t'as un parking. En mapping. Ah. Oui. Bah, vous avez des toilettes, monsieur Karl? Oui, absolument. Ah. Ouais. Bah, je vous accompagne. Si. Oui. C'était très bon ce sandwich. Ah, ben je vous remercie. Ah, merci. Oui, c'était tout frais. Ah, ben vous avez votre camion là? Oui, on l'a déchargé. Ah, par contre, vous avez. Alors, c'est vrai que c'est plus intéressant de s'occuper de ma bagnole que de ces cars-là. Oui, ben. On est bien d'accord. Non, mais vous comprenez la notion de priorité pour les shérifs. Oui. C'est comme je vais vous raconter une chose. Une fois. Oui. On s'est fait renverser avec Monsieur Valentine devant la PSS. Ça me ferait extrêmement rire, ce parking. Ah, grave. Bernard a fait demain, t'as un parking, mais alors nickel. On demandait de s'arrêter, tout ça. Il s'est fait attraper par le shérif Zach en excès de vitesse. Et bien, le shérif Zach a dit que le chauffeur pouvait partir parce qu'il n'avait rien fait. Par contre, Bernard, lui, était en excès de vitesse et conduite dangereuse. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est la priorité. C'est... Moi, j'appelle ça la priorisation par les shérifs. C'est-à-dire que c'est assez particulier, quoi. Ben oui. C'est très ouais. particulier. C'est original. Bon, là, ils vont te faire chier jusqu'au bout, j'ai l'impression. Oh, je pense qu'ils vont pas vous gâcher. Oui, ben je vais passer de l'autre côté. Vous avez les toilettes en face, monsieur Patou. Oui, merci. Je vais aller me chercher un café. Mais grave, je vais me barrer. Je vais faire le tour et je vais me barrer. J'ai pensé tout pareil. Ah mais je vais te faire un parking avec un gros P. Ou c'est un parking devant qui m'emmerde. Je vais chercher un café. J'arrive, on va faire la pause comme ça.
C'est chaud. J'ai mis trop chaud. Alors, de quoi? Parking privé Patou. Ouais. Pray for le galant. Ouais, c'est ça. Notre petite pancarte. Réserve partout. C'est ça. On va faire un truc réservé Patou. Ça donne le PP ou le peu en version Patou. Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites avec mon véhicule? On l'emmène au garage, monsieur Patou. Ah non! Ah si, monsieur Patou. Monsieur Patou, sortez de mon véhicule, s'il vous plaît. Je me barre. C'est parti, on y va. Alors là, je fais pas du cinéma. En mode cinéma, c'est trop dangereux. Course poursuite. Carbure la tuture. Grave. Alors, ça suit pas derrière. Je trace. Je fonce. Pour m'embarquer ma voiture. Donc un peu que ça. On profite que je suis aux toilettes pour récupérer ma voiture. Je fonce, je fonce. Vas-y ma titine. On y va, on y croit. Mais bon, on continue. Vas-y, vas-y. Avoir l'air con sur le parking de Shadow. Bah ouais, je pense, oui, mais bon. On pique pas la voiture de monsieur Patou. C'est abusé. Non, après plus que ça qu'on pique ma voiture. Je viens de foutre 700 balles de customisation. Tout, il rapportait plainte pour tentative de vol. C'est ça. Allez, encore un peu. On se motive. N'arrêtons pas, monsieur Patou.
bam bam bam. On y va. Je connais la maison par cœur. J'ai travaillé à la DDE. J'ai fait des parkings moi-même. Hop. On fonce tout droit. Chantage en plus. C'est trop loin. Donc du coup, votre machin sera pas accepté. Allez. Je vais donner les clés à Monsieur Patou pour qu'il puisse se cacher. C'est ça. Je vais rester discret. Parce qu'il y a une grande histoire dans un endroit bien précis de Monsieur Patou. Pourquoi il y a un garage là? Secret d'After. Hop. Ah, route, mauvaise route. Là. Et là, on va passer en mode... pas tout plus gentil. C'est fini. Fini finito. Que j'appelle du monde, mais je sais qui appeler. Alors là, ce qu'on peut faire, déjà, c'est on va se mettre en mode... hop. On va chercher... ça. Pardon, un rototo. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Mais moi, je trouve ça dégueulasse. Il est où mon... Attendez, je cherche. Ouais. Allô? Oui, monsieur Patou, vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes où? Quelque part. Ah. Ça se passe bien ou c'est compliqué? Non, tout va bien. Tout va bien. Parfait. De mon côté, tout va bien. Parfait. Très bien. Bon, écoutez, n'hésitez pas à repasser au bar, hein, si vous voulez. Jamais. Vous me verrez plus. Pourquoi vous me verrez plus? Oui, c'est très compliqué. Non mais monsieur Patou, c'était juste mal stationné. Vous n'avez rien fait de mal. Je les emmerde. Hier, tout le monde était stationné à cet endroit. Oui, donc, ils vont voir la nouvelle facette de monsieur Patou et crois-moi, ils ont intérêt de s'accrocher. Oui, non mais je sais que vous les emmerdez, monsieur Patou. Oui. On est en train d'en discuter avec le shérif, le galant. Ils aillent se faire foutre. Oui, c'est des chiens de merde.
Voilà, je vous rappellerai plus tard. D'accord, bonne soirée, Pio. C'est où là? On va se la mettre comme ça. On va se la mettre comme ça. Ils vont voir de quoi ils me jugent mes choses. Ça va recommencer. Ça va un moment hein, de se faire passer pour un sénile. Il y en a un peu plein le cul. C'est une musique de Patou, enfin de la chaîne. C'est une licence. Toutes les musiques que vous entendez sur le stream, c'est une licence. Eh oui, 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 oui. Celle-là, elle est... Et encore, vous n'avez pas tout... Ils n'ont pas tout vu encore. Je vous laisse des petites surprises. Ils vont voir de quoi je me chauffe. Ça veut jouer au chien? Vous allez voir. On va faire des contrôles. Juste pour un parking, une voiture. Oui, oui. Mon pauvre petit. Bah moi j'ai envie de dire, on peut peut-être s'arrêter là sur le stream. On verra au prochain épisode. Et vous en saurez peut-être plus. On ne sait pas, qui sait. Ouh, surprise. Ouais, je pense qu'on va se quitter là, c'est pas mal. À 2h50 de stream, je sais, vous êtes un petit peu enragé. Ou peut-être, ah non, mais on veut voir plus. Vous en saurez plus tard. Ben quoi? J'y peux rien, moi. Je suis fatigué. C'est la fin. Je vous fais plein de poutous. Et on se dit à bientôt. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et là, on commence à voir la face cachée. Enfin, je dis ça, je dis rien. On va se quitter sur cette musique-là. Elle est bien, celle-là. Non, pas celle-là. Celle-là. Des bisous.
Bonne nuit à tous, merci en tout cas de votre gentillesse et de votre présence. Plein de poteaux de Monsieur Patou, mais pas partout. Bonjour mes petits gars, c'est Monsieur Patou, P-A-T-O-U. Bienvenue en tout cas. Alors, je vais vous faire visiter Brooklust, donc il faut venir avec moi. En route, mauvaise troupe. Oui, c'est leur Hot Burger. C'est là où on mange des sandwichs, des burgers avec des frites ou des potatoes. On sait pas ce qu'il y a dedans. Mais enfin, bon, c'est là qu'on peut manger. Alors ici, vous avez la concession automobile. C'est là que vous allez pouvoir choisir vos voitures. C'est déjà pas mal. Là, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Enfin, c'est dans la boutique juste ici. Après, je sais pas ce que vous faites, etc. Hein, c'est vous qui choisissez. Admettons, vous pouvez prendre un chapeau. Genre celui-là, ça n'a... Bon, allez, on continue la vidéo. Alors ici, c'est la pseu. Là où ils se font soigner, les gens. Apparemment, on en sort. Je suis pas sûr qu'on en sort vivant. Les propriétaires ont dû faire des conneries à mon avis, et je crois qu'ils vont pas sortir d'ici à mon avis. C'est pas de chance pour eux. Mais en tout cas, il y a un truc à vendre apparemment. Allez, on repart en route pour de nouvelles aventures et découvrir d'autres endroits. Ici, vous avez le taxi, monsieur Gustave. Ah, on arrive chez monsieur l'ermite, monsieur Bernard, qui tient une concession. Avec les Shadows, apparemment, il faut des succès, des scènes extraordinaires, des concerts tous les soirs. Ça va être génial. En tout cas, chez les Boykers, ça rigole pas. Faut pas non plus les faire chier. Hein. Restez quand même correct avec les gens. Alors ici, on arrive du côté de la frontière. Enfin, presque à côté de la frontière, mais apparemment, il y aurait, comment dire, la pfeffe. Voici le QG de la pfeffe. Ouais, ben moi je vous conseille de venir juste avec un rendez-vous, sinon c'est pas la peine d'y aller. Hein. Alors, en parlant de cette frontière, eh bien moi je vous dis, c'est un peu dangereux de s'y traîner, mais il y a un côté à Brook Beach qu'on peut y aller. Bien, nous voici à Brook Beach. On peut faire du tourménage ou je sais pas quoi pour faire la montagne russe. Là, apparemment c'est le truc ascenseur. On sait pas ce qui s'y passe, mais en tout cas, on sait que les gens, quand ils y rentrent, ils ressortent jamais. Ah oui, j'oubliais, il vaut mieux comment être bien avec eux et surtout, on sait pas ce qui se passe derrière. Enfin, faut éviter de venir ici, évidemment, je sens que je vais me faire choper. Bienvenue à Brooklust. Un petit conseil, comportez-vous correctement sur Brooklust et tout se passera bien.